Bonjour à tous et bienvenue, ravi de vous retrouver en ce mercredi 14 décembre, j'espère que tout le monde va bien. C'est Jérémy Delsol pour votre matinale Admirals, il est du coup 8h30 et j'espère donc que vous allez bien. J'étais en train de me dire que c'était du coup le troisième, il nous reste en fait plus que trois lives hein, tout simplement avant du coup cette fin d'année. Donc plus que trois lives pour 2022, j'espère que du coup on va avoir de belles séances bien sûr. Hier on a eu un très beau trade sur le gold, on va pouvoir repartir un peu dessus si vous voulez puisqu'il a été jusqu'à atteindre sa petite target finale qui était quand même un beau ratio. Et ensuite il s'est clairement retourné comme pas mal de marchés suite à la publication qu'on va retrouver sur le calendrier par rapport à hier et l'inflation US bien sûr. Mais du coup voilà, plus que trois séances live, un webinaire demain soir qui nous attend. Donc j'espère que ça va être sympa bien sûr, n'hésitez pas si vous avez des questions, si vous voulez qu'on fasse le point un peu sur l'année, sur votre trading, etc. C'est littéralement l'occasion d'en profiter ces séances le matin. Donc je vais vous montrer justement le calendrier économique dans un premier temps. Hop, ici. Et on va regarder tout ça. Donc ça, c'est la publication qu'on a eue hier, 13h30 du côté US. Avec du coup 13h30 ou... Est-ce qu'il a bien mis le bon... Ah voilà, c'est Londres. Je me disais que c'était bien 14h30. Cette publication US hier, du coup, qui a été donc très intéressante. Taux d'inflation attendu. On avait un précédent à 6,3, un consensus à 6,1 et un résultat à 6. Donc en fait, ici, meilleur qu'attendu. Une baisse ici, un petit peu légèrement surprise, on va dire, de 0,1% des taux d'inflation. Vous retrouvez la courbe des taux d'inflation, d'ailleurs, juste ici, côté US, depuis, hein, historiquement ici, depuis justement 2017. Donc ça, ça a fait réagir clairement les marchés. On va le voir dans un instant sur les graphiques, bien sûr, mais je vais déjà venir vous montrer un petit peu ce qui nous attend en termes de publication, ou en tout cas ce qui s'est déjà présenté ce matin. 8h côté britannique, taux d'inflation également attendu. Donc c'est un résultat à 10,7, après un précédent à 11,1 et un consensus en fait à 10,9. Donc pareil ici, meilleur qu'attendu en fonction du précédent du consensus également. Sinon, qu'est-ce qu'on a d'autre attendu aujourd'hui? On va avoir le rapport sur le marché du pétrole aussi côté français à 10h. On aura la production industrielle annuelle et mensuelle côté européen prévue aussi à 11h du coup. Ouais, c'était 10h et 11h ici, pardon. On va retrouver sinon les prix à l'exportation, les prix à l'importation, toujours 14h30 côté américain. Le stock de pétrole attendu à 16h30 comme la plupart des mercredis. Et on aura sinon ici les projections économiques du FOMC avec la décision des taux d'intérêt de la Fed prévue ce soir. Malheureusement, ce soir, on ne pourra pas être live. Gros webinaire bien sûr à préparer pour demain soir. Vous savez que c'est, je vais vous en parler hein, dans un instant, le dernier webinaire et c'est en même temps le rendez-vous annuel avec les clients Admirals. Donc ici, beaucoup de choses à préparer. Donc malheureusement ce soir on ne sera pas live pour du coup tout simplement ce FOMC du coup ce soir avec la prise de parole aussi à 20h30 du coup de Jérôme Powell hein, bien sûr du côté de la Fed. Donc attention parce que volatilité attendue forcément ce soir et au rendez-vous à 20h et 20h30. Donc voilà pour ce calendrier, sinon on a ici taux de croissance hein, tout simplement du PIB du côté du dollar néo-zélandais un petit peu tard ce soir 22h45. Alors je vous rappelle bien sûr qu'on est live tous les jours de 8h30 à 10h encore pendant 3 jours durant cette année 2022. Après on se retrouve l'année prochaine mais ça va arriver plus vite que ce qu'on pense hein, bien évidemment à chaque fois parce qu'on sera live déjà ensemble dès la première semaine de janvier pour bien attaquer l'année. Donc je vous partage ici les liens un petit peu partout justement sur Zoom, également sur du coup YouTube. Ce fameux rendez-vous dont je vous parle c'est déjà bien demain dans du coup une journée 10h25 que nous réserve du coup 2023. On va parler technique, fondamentale, psychologie et astuces en trading et en investissement, le tout pendant 1h30 présenté par moi-même et Dimitri. Du coup on verra les points clés aussi pour 2023, ce qui s'est passé, pourquoi on en est là, etc. Et je vous lisais bien des petites stratégies aussi à mettre en place pour du coup pouvoir bien évoluer courant de cette année aussi 2023. Donc pour tous ceux qui sont clients sur compte réel, pas besoin d'avoir un certain montant sur le capital ou quoi que ce soit, il vous suffit d'avoir un compte réel chez Admiral et vous pourrez assister du coup à cet événement demain soir, un événement annuel hein, donc vraiment intéressant de s'y retrouver clairement. Sinon la partie actualité qui s'actualise, c'est le cas de le dire au quotidien, je vous donne le lien pour les articles fondamentaux. Vous aurez bientôt ici aussi l'idée trading de la semaine, l'article trading pour débutants qui vous attendra, etc. Et petit article sur l'action, on en avait parlé à un moment donné en live, téléperformance, ici un article du coup qui vient de sortir de notre côté chez Admiras, donc je vous donne le lien pour ceux que ça intéresse aussi le marché action et notamment cette action-ci. Dites-moi si vous voulez qu'on aille voir les graphes par exemple directement, vous avez ce petit widget très intéressant aussi sur l'article qui vous permet de voir aussi avec TradingView ici
Il y a les cotations à l'heure actuelle, donc vous voyez une action qui a eu des points plus hauts quand même jusqu'au quasiment 400 avec une belle correction déjà sur les 220. Donc ici assez intéressant peut-être à étudier pour certains. On va se pencher sur les graphiques, je vais venir vous saluer bien sûr sur le chat, il y avait déjà Emmanuel sur Zoom qui nous disait bonjour à toutes et à tous, et du coup bon très bienvenue à toi Emmanuel aussi, j'espère que tu vas bien. J'ai partagé tes liens, normalement tu peux les voir aussi hein, depuis le chat Zoom en fait. Je vais venir aussi vous saluer bien sûr sur YouTube, Christina qui nous disait bonjour à toutes et à tous. Alors attends, j'arrive juste 2 secondes ici, hop. Voilà. Bonjour à toutes et à tous. Du coup, petit passage rapide pour donner de la force. Du coup, camarades, n'oubliez pas vos likes. Merci beaucoup, Christina. Ça fait très très plaisir. Tu nous disais aussi, motivation, c'est comme une graine semée qu'on arrose. Elle perd de sa superbe avec le temps. Le temps qu'il faudrait indéniablement prendre pour infini récolter. Ah, tu veux dire oui, pour récolter les fruits du dur labeur hein, et du coup rester motivé, bien dit ici aussi. Nourrir cette motivation, le temps des camarades n'est pas facile. Nourrissez votre motivation, faites mieux chaque jour. Et bonne journée à toutes et à tous. Du coup, cher Sifuji. Donc, je pense que vous voulez me dire Jérémy, du coup, ici, merci beaucoup, hein, Christina, ça fait plaisir, je vous salue. Très bonne journée à toi aussi, merci d'être passé nous faire un petit coucou et très beau message aussi. Marc qui nous dit bonjour Jérémy, ainsi qu'à toutes et à tous. Tout le monde, voilà, n'oubliez pas les pouces, merci beaucoup. Surtout que c'est les 3 derniers lives, hein, clairement. Donc n'hésitez pas. Pareil, si vous avez des questions sur le trading de manière générale, profitez-en. C'est les 3 derniers lives de l'année. Après 2 semaines de break et ensuite on réattaque du coup début janvier pour toute une nouvelle année. On fera des lives au quotidien 8h30, 10h ensemble bien sûr dans cette matinale Admirals. MB Vegas qui nous disait bonjour Jérémy, bonjour à tout le monde, bienvenue à toi aussi MB Vegas. Jérémy qui nous disait également salut à tous, pouce numéro 4. Merci beaucoup, ça fait plaisir. On a aussi, du coup, tu nous disais, voilà, bon trade à tous et bisous de La Réunion, ça fait plaisir aussi. Du coup, bon trading hein, depuis La Réunion, joli petit coin aussi. Clairement, Chris qui nous disait aussi, bonjour tout le monde, 7e pouce, merci beaucoup Chris, ça fait plaisir, bienvenue à toi. Michel également qui nous disait salut, bienvenue à toi aussi. Michel et Christian qui nous parlaient ici, du coup, des conseils. Alors attends, bonjour à tous, salut Jérémy, grâce à tes bons conseils, 100 euros de bénéfice hier pour le débutant que je suis, merci beaucoup. Je t'en prie Christian, alors. Je partage bien sûr certaines choses, tu sais bien, pas de conseils en assistance continue, etc. Donc tu es aussi clairement responsable des gains que tu as réalisés hier et ça c'est ce qu'il y a de mieux. Donc bravo pour tes bénéfices, tes 100 euros. Daniel qui nous dit bonjour aussi, bienvenue à toi aussi Daniel. Infini en un aussi qui nous dit bonjour Jérémy à tous. Belle journée de live et de trading, merci beaucoup à toi aussi, bienvenue. Marx aussi qui nous dit bonjour coach, bonjour tout le monde, bienvenue à toi aussi Marx. Boursicoteur, salut aussi, j'espère que tu vas bien. Jean-Marcel aussi qui nous dit bonjour à tous, bienvenue à toi Jean-Marcel. Didier également, j'espère que tu vas bien. Du coup, ST Trading aussi, Philippe aussi qui nous disait bonjour. Du coup, U15 également, hello tous, pouce, ok, merci beaucoup, ça fait très plaisir pour les likes. Hein. Tout le monde qui mettait des likes dès le début, ça fait très très plaisir. Hubert, qui nous disait justement bonjour Jérémy et à tous depuis le PACA. Bonne journée et bon trade à un gars là. Bienvenue à toi Hubert, j'espère que tu vas bien. Merci pour le soutien, comme d'habitude MBK, tu nous disais pour les inscrits au webinaire. Un replay sera disponible pour sûr de pouvoir rester jusqu'au bout. Pas sûr, pardon. Oui, clairement. Pour ceux qui seront bien sûr inscrits, puisque clients sur compte réel chez Admirals, ils ont un lien sur une vidéo privée pour revivre du coup le live s'ils ne peuvent pas rester jusqu'au bout, s'ils ne peuvent pas être présents, quoi. Après, si vous avez des questions, c'est toujours bien d'être présent. Mais par exemple, si tu ne peux pas rester jusqu'à 20h30, c'est clair que du coup, tu pourras voir la fin en replay. Jean qui nous dit bonjour Jérémy, bienvenue à toi Jean aussi, Emmanuel également. J'espère que tu vas bien et que tu as la forme aussi. Medmed qui nous dit bonjour à tous, le pouce en arrivant, ça évite d'oublier clairement. Merci beaucoup Medmed, on est déjà à 41 likes, quasiment les 50 avant l'open. Ça se trouve en 2023, on parlera même d'une centaine de likes avant l'open si ça continue. En tout cas, c'est l'objectif. Ghost qui nous disait bonjour Jérémy, j'espère que tu vas bien, j'ai une question. Tu n'aurais pas une appli qui donne des alertes gratuitement? Ghost, bienvenue à toi. Non, du coup, il n'y a pas d'alerte gratuite en appli que je connaisse. Je t'avoue que de toute façon, je n'ai pas creusé sur ce terrain-là puisque je ne vais pas suivre des alertes ou quoi que ce soit. Par contre, ce que tu peux faire, c'est mettre des alertes sur des niveaux de prix sur ta plateforme et être prévenu sur ton téléphone. Ça peut être quelque chose qui peut peut-être te correspondre, mais ça doit venir de ton analyse et des alertes que tu souhaites avoir à tel ou tel niveau de prix, etc. Interactif qui nous est salué Jérémy, objectif 130 pouces, merci beaucoup Interactif, ça fait super plaisir, merci pour le soutien. PS, je mets déjà mon pouce bleu pour Ghost, ça fait plaisir Ghost, merci beaucoup. Julien qui nous disait aussi, je n'ai pas vu ta feuille de demande de congé, je la refuse, on a besoin de toi. Excellent Julien, excellent. Bah écoute, après c'est vrai que de toute façon les 2 dernières semaines de décembre sont pas, je trouve historiquement parlant, les 2 semaines les plus intéressantes de l'année, clairement. Donc c'est aussi le temps de faire le point, de bien se préparer pour l'année d'après, etc., etc. Donc ouais, mais je sais que ça me fait toujours bizarre. Hein,
vous en doutez quand je fais pas un live, soit un jour, soit une semaine ou deux, quand je dois prendre des vacances ou quoi. Mais du coup, c'est vrai que ça me fait toujours aussi un peu bizarre. Mais ça va passer plus vite que ce qu'on pense. On a les fêtes, ça va passer incroyablement vite le jour de l'an et boum, on sera déjà de retour en tout cas. Sympa ton message, Julien. Aurore qui nous disait, j'ai commencé ces lives matinaux il y a quelques jours, mais je ne serai au rendez-vous du coup en janvier, car très instructif. Merci beaucoup, avec grand plaisir, Aurore. Avec grand plaisir, on se retrouve en 2023, bien sûr. Merci pour ton message. Et Didier qui nous est magnifique, Sleep Edge positif hier, 14h30 sur le DAX 120 points au lieu de 26 points prévus de TP. Waouh, ok, ouais, très très beau Sleep Edge, Didier. Alors, fais super attention parce que ça aurait pu être dans l'autre sens aussi, malheureusement. Donc, attention aux positions, clairement, avant les actifs. En tout cas, bravo, tu as fait un super score du coup, mais sache que voilà, c'était un peu dangereux quoi. Charlie qui nous dit bonjour Jérémy, bonjour tout le monde, bienvenue à toi Charlie aussi, Françoise également. J'espère que tu vas bien, merci pour le like Françoise aussi. On est déjà à 53 likes, ça va très vite, merci à tout le monde. Allez, on attaque, justement, ça va vite, il est 8h41, on se dépêche, le JP225. Séance haussière au-dessus de son point pivot mensuel. On descend sur le graphique horaire immédiatement. Vous voyez qu'on est sorti de cette zone de consolidation, un peu cas d'école, on l'a retesté, pas une fois, mais deux fois, et on repart à l'attaque de ce sommet-là. Mais pour l'instant, on a du mal, et vous voyez qu'en fin de compte, on souhaite respirer sur une zone un petit peu plus intermédiaire, on va dire, c'est-à-dire ces 28 000. 100 points qui étaient résistances, qui sont sujets pour l'instant à repasser, pour le moment bien sûr, jusqu'à preuve du contraire, support potentiel pour le dernier sommet, voire encore celui d'avant. Sinon réintégration, et à ce moment-là, attention, on pourrait ranger au-dessus du range. En termes de point pivot, on est au-dessus du point pivot, donc ça peut aider à soutenir la zone ici aussi, et vous voyez bien que la prochaine résistance concorde avec la RA du jour, les 28 250 points. Du côté du DAX, on a eu donc une belle hausse ici, vous allez voir sur pas mal d'actifs boursiers, clairement, de toute façon, on a eu des beaux mouvements, et il faudrait que ceci. Donc, finalement, on a notre réponse clairement par rapport à la séance d'hier. Très belle réintégration au-dessus des 14 350 points du coup, et ça nous permet de venir tester ces sommets importants avec cette zone résistance importante des 14 600, où on a su du coup faire un premier test rejet avec une mèche ici, mais en fin de compte juste derrière elle est clôturée relativement fort quand même, mais derrière vous voyez cette réintégration très très rapide qui marque du coup la mèche en daily qui nous permet du coup déjà de revenir ici dans la zone. Donc à l'heure actuelle, on était sorti de cette zone de consolidation justement. C'était très déterminant, je vous avais dit, hein, de voir si on était capable de vraiment s'affranchir de cette burn-out. C'est ce qui s'est passé avant même la publication, puisque du coup, il était 11h qu'on avait déjà commencé à monter ici. Ensuite, du coup, c'est la publication ici, vous le voyez, à 15h et 15h30, du coup, dans cette bougie horaire qui a fait ce gros mouvement et ensuite cette correction, du coup, juste derrière. Donc, on va descendre sur 15 minutes. On va remettre tout ça un petit peu en perspective. Je vais enlever cette zone-là. On va voir que quelque part, quand même, attention, on est dans un range établi ici aussi entre ces derniers petits sommets. Et d'ailleurs, on va regarder les niveaux ensemble. Hop, on va parler du coup des 14 430 pour les 14 487 du coup ici pour la zone de range en cours. Donc attention, bien sûr, borne haute pour borne basse, prix médian, tout ce qu'on retrouve hein, dans du trading de range. On a un point pivot qui corrobore vraiment aussi le niveau des 14 475 points que j'avais noté ici. Mais vous voyez qu'on joue un petit peu avec le niveau. C'est toujours des zones plutôt que des niveaux ultra précis. Donc c'est ce qu'il faut retenir. Et c'est pour ça que je vous ai mis d'ailleurs un petit peu de sécurité avec la zone support. Étant donné l'amplitude du mouvement d'hier, ben, on a forcément des zones support et R1 du coup assez éloignées. Donc là, ici, on va être vraiment dans un autour en fait du point pivot et dans un trading de range jusqu'à preuve du contraire. Borne basse 14 430, je vous le disais, et les 487 par le haut pour ce trading de range pour le moment. Je vous avoue que je préférais quand même l'acheter ici. Alors on va voir si on a du rebond possible sur une borne basse et si l'open nous permet d'aller rapidement chercher cette borne basse. Après, on verra, bien sûr, on verra ce que le marché souhaite faire, mais pourquoi pas du coup continuer cette descente un petit peu plus bas jusqu'à obtenir des niveaux intéressants pour trouver en fait du rebond tout simplement. On va voir ça hein, bien sûr en séance. Ce matin, on restera sur du 5 minutes et on passe sur la bourse de Paris avec le CAC 40. Pareil, une belle hausse qui nous permet de faire un toucher rejet de la résistance journalière des 6800 points sur cette bourse de Paris avec le CAC 40 du coup qui est du coup en... Alors on va arrêter les du coup, je sais que je le dis quand même très souvent, mais ici ce qui se passe clairement, c'est qu'on a eu de la respiration, pas une respiration à 100%, mais quand même quasiment, et depuis en fait on a trouvé soit déjà du rebond ici bien sûr 6700 points, et on évolue même en fait avec un gap haussier ici pour l'instant sur les 6725 points, on va descendre en fait hein, sur le 15 minutes rapidement, du coup ce gap haussier on le retrouve pas vraiment, tac tac tac. Ouais, c'est entre cette bougie, oui c'est entre du coup cette baisse là et cette open ici, donc voilà il est...
c'est cette petite hausse là, il n'est pas flagrant, mais du coup il est un petit peu là. On est déjà en train de vouloir d'ailleurs revenir un petit peu sur cette zone support des 6000, du coup 225. Je rajoute les points pivots, on a la zone point pivot en plein dans la zone ici pour l'instant. Alors limité quand même par les sommets, on va descendre sur du 5 minutes, on va voir aussi. Alors j'enlève déjà cette zone précédente là, on descend sur le 5 minutes. Pardon, déjà le 5 minutes, voilà. Et c'est bien ce que je pensais, il y a quand même une zone de range ici aussi, attention. Du coup, entre les 6710 et les 6735. Donc borne haute, hein, vraiment ici, autour des 6735 et les 710, hein, 6710 pour la borne basse. On va évoluer en trading de range un petit peu en fait autour de ce prix aimant, hein, du coup désormais, des 6725 points. Donc pour aujourd'hui, trading en range dans la zone, ça reste quand même du 5 minutes, bien sûr, on reverra sur le graphique horaire. Ça veut quand même dire aussi des breakouts convaincants, mais attention à des fausses cassures comme on a eu ici par le passé. Là, on a un petit peu de mouvement en direction de cette résistance, mais ça pourrait être aussi une fausse cassure pour réintégrer. Donc ici, on va faire bien, bien attention à ce qui se passe. Après de tels mouvements de hausse, de récupération, le marché du coup hésite à montrer un petit peu ses intentions, soit pour continuer pour le coup cette hausse parce que le marché est rassuré, soit pour repartir sur la baisse parce qu'il a été rassuré, on a pris des profits, on a récupéré, mais on sait que l'histoire ici n'est pas finie, qu'on peut continuer la baisse. Donc voilà un petit peu le contexte à l'heure actuelle aussi. Du côté du FTSE 100, on a fait une belle mèche, pas suffisante pour aller chercher les 7600 points. On descend rapidement sur le graphique ici horaire puisqu'on sait que sur le journalier on est haussier, mais qu'on a réagi avec une belle résistance majeur 7600 points. Et là, ce qui s'est passé clairement, bah, c'est du coup du trading de range dans cette zone-là, cassé par le bas pour mieux partir par le haut et en réintégrant en fait la zone de range précédente. Donc je vous ai juste laissé en fait hein, cette résistance 7500 bornes de zone de range. On va voir si on a de la concordance, point pivot non loin du prix médian de zone de range et borne basse pour moi sur les 7462,50. Voilà où on en est sur du trading de range pour le moment, comme ceci possible, puisque rejet pour le moment. On va voir si l'open nous permet de casser. À ce moment-là, on pourra se diriger vers les obstacles et les sommets comme les 7537, la R1 et le sommet précédent, pourquoi pas. Mais sinon, trading en range jusqu'à preuve du contraire, je vous avoue que je préférerais aussi du coup pouvoir l'acheter ce matin, ce footissant, mais on va voir si c'est possible. Sinon, ben, des prix du coup bien plus intéressants sur une borne basse clairement que sous une portille ici inférieure à la résistance, vous l'aurez compris ici. On va rester sur le 15 minutes, sur le 5 minutes plutôt, voilà. Donc là, on va dans le détail, hein, les rejets tôt ce matin, et même un peu dans la nuit, il faut le dire, et pour l'instant en train de tester les creux précédents. On va partir sur la bourse US avec le S&P aussi ici. Je regarde juste la montre, il est 48, je vais quand même me dépêcher un petit peu. Je regarde Zoom, il n'y a pas de question interactive qui nous disait « Si on se cotise tous, combien veux-tu d'argent pour rester avec nous jusqu'à la fin de l'année ?» Ah, une petite tirelire, ça peut être sympa. Du coup, pour la fin d'année, écoute, je vais peut-être faire un poll de questions pour demander qui est partant. Mais du coup, à 116 participants, juste 1 euro par personne, moi ça va. Du coup, c'est Emmanuel qui nous disait, Jérémy, comment le trading contribue à l'économie et participe au développement. Alors, question très large, on va en parler dans la séance. Relance-moi là-dessus, Emmanuel, si tu veux. Pas de souci. Matt Dollar qui nous disait, salut Jérémy, ça fait longtemps, c'est ce que j'allais te dire. Hein, ce pseudo me parle. J'espère que tu vas bien, Matt Dollar, et que tout se passe bien pour toi depuis le temps. Benetto qui nous dit aussi, que penses-tu du trading basé uniquement sur des probabilités sans se fier aux news, chartisme, etc. en se basant hein, sur un avantage statistique d'une cassure. J'adore Benetto. Alors que ce soit sur une cassure ou une opportunité du coup de price action, etc. Je suis à fond probabilité et statistique. Donc ici j'adhère totalement. Connette qui nous dit bonjour à tous, bienvenue à toi Connette aussi. Infini en un qui nous dit, peux-tu regarder l'euro USD forte hausse hier. On va y passer bien sûr, il n'y a pas de souci, t'inquiète. On enchaîne puisqu'il est déjà 49. Le S&P 500 du coup qui a fait aussi une belle mèche réaction par rapport à son oblique baissière borne basse d'un gros canal journalier et en testant aussi son sommet journalier précédent. Alors on va descendre sur directement voilà, le graphique horaire. Donc on est ressorti des zones de range dont on avait parlé par là. On en avait une petite ici en 15 minutes, vous vous rappelez. On est revenu quasiment la toucher côté extérieur et on a marqué le rebond. Mais la news du coup qui a été saluée par les marchés, correction juste derrière, rebond. Et ici, échec pour l'instant d'aller de manière directionnelle retester le sommet. On est en train de faire un sommet très certainement plus bas que le sommet précédent. Alors, on a cette bougie en construction. On va voir dans 10 minutes comment elle finit aussi, bien sûr. Mais ce qu'on va souligner ici, c'est que on est sur un test zone support. Déjà des 4025 points sans avoir été faire le test concret des 4040. On a aussi cette zone ici qui était un petit peu trading de range dans laquelle en fait on va du coup chercher à re-rentrer, donc à réintégrer un petit peu cette zone de range qu'on pourrait même élargir pour sa borne la plus basse et propre ici jusqu'à ce niveau là qu'on va déterminer ici. Donc on parle des 4000 d'un côté en fait.
tout simplement et des 4025 de l'autre. Donc niveau clé psychologique, j'enlève juste hop, ici l'ancien range. Donc voilà la réintégration possible du range pour moi aujourd'hui ou le maintien côté extérieur pour les derniers sommets, pour la résistance et pour continuer. On va voir les points pivots. On a le point pivot qui est au-dessus du cours pour l'instant justement, qui ferait du coup un complément à toute cette zone-là. La résistance ici, le point pivot, l'oblique, la résistance encore par là. Mais sinon, on a un beau trading de range qui peut être réintégré avec une belle bande basse puisque niveau clé psychologique, je vais d'ailleurs l'ajuster puisque c'est quand même pas mal le niveau des ronds en fait, hein, des 4000 points. Hop, ici pour cette zone de range. Donc là on a une zone un peu du coup aussi entre les une zone de 10 points, 3990 et 4000 points. Donc voilà ici pour les scénarios, soit réintégration de range, soit rebond déterminant les 4025 pour moi sur le S&P aujourd'hui. Du côté ici du Nasdaq, qu'est-ce qu'on a? On va regarder le graphique horaire. On est toujours en rebond hein, tout simplement des 11550. Quand on dézoome un peu tout ça, vous vous rappelez, on a toujours ce trading de range ici présent et d'actualité. Donc ce qui s'est passé récemment, c'est qu'on avait marqué la réintégration ici sur plusieurs tests. On avait aussi ce trading de range là ici, donc on avait buté un petit peu par là. On a su breaker ici, ensuite la news arrive et du coup la correction derrière. Nous ramenons sur le prix médian de la zone de range et en tentative de retour déjà sur la résistance interne en fait des 11900. On est déjà en fait en train de un peu de respirer aux abords de ce niveau là. On va rajouter les points pivots. Le point pivot du jour corrobore parfaitement la zone des 11900. Sur le 15 minutes, on va retrouver ici un trading de range aussi qui est possible, puisque l'air de rien, vous retrouvez du coup des sommets qui se respectent. Donc on va mettre ça comme ça, on va pouvoir enlever l'ancienne zone de range. Vous voyez un sommet, quasiment deux, un sommet par là, encore un sommet par ici, des creux ici et là. Donc du trading de range pour moi établi entre les 11882 et du coup le prix médian de la grande zone de range H4 en fait, hein, sur les 11775 points. Donc trading de range d'actualité, pour le coup on n'est pas sur une réintégration possible, même si on pourrait parler de cette zone ici, mais du coup j'y vois quand même pas mal de sommets là. Donc là cette zone en fin de compte jouerait aussi un petit peu l'équivalent du prix médian sur lequel on pourrait déjà revenir aussi sur le Nasdaq. Du côté du Dow Jones 30, c'est un très beau rebond au final hein, qui se fait depuis les 33450, hein, bien aidé par rapport à ce qu'on a eu hier. Par contre ça fait une sacrée mèche vis-à-vis du sommet journalier précédent. Attention, c'est pas une clôture non plus. Donc là on avait ce trading de range qui a été transpercé hein, sans trop y faire attention. Clairement on descend juste sur le 15 minutes, on avait mis cette oblique là, on l'a cassé, un peu respecté par ici, on a tenté de la respecter mais en fin de compte on repart au dessus et là on essaye de la recasser. Donc là cette oblique je vais tout simplement l'enlever, je vous avoue, hop ici maintenant. Et on va voir du coup là où on en est. On est un peu comme sur le S&P 500 en tentative de réintégration d'une zone de range qui peut clairement s'établir entre les 33950 et 34150 points pour ma part. On est côté extérieur pour un rebond attendu sommet précédent ou une réintégration tout simplement, donc ultra déterminant, les 34150 points. On est en dessous du point pivot qui ferait un petit peu un cumul dans toute cette zone ici jusqu'au 34350 possiblement. On va partir sur la matière première également ici. Et je reviens juste après, juste avant le forex, hein, je reviens du coup vous voir. Alors ici, on a su justement avec les news d'hier clôturer au-dessus de la résistance que je vais pouvoir passer support, les fameux 1800 du coup dollars l'once d'or. On va regarder ça, hop ici, passer en support. On va descendre pour voir le détail de tout ça sur le graphique horaire. On avait ce trading de range qui a été réintégré sur la news et littéralement transpercé, donc je peux l'enlever. Là pour moi, on évolue encore aussi dans du trading de range. On va le retrouver dans l'état sur le 15 minutes. Vous voyez ces sommets respectés ici et là. Et ces creux un petit peu pardon travaillés par ici. Donc on va avoir des zones autour des 1813,50 pour les 1807,60 à peu près 50. En évolution de range ici aussi. Quand je vous parlais voilà, du petit trade d'hier qui était assez sympathique, il a été jusqu'au 82, quasiment 50 ici. Ça faisait un très beau ratio pour la target finale. Dommage qu'on n'ait pas pu voir l'ensemble de ce mouvement-là hier. C'était assez joli. Et après, en fin de compte, heureusement qu'il y a des targets aussi à un moment donné parce que sinon, des fois, vous voyez quand ça se retourne et on revient sur trop de gains latents. Et ça, c'est bel et bien dommage aussi. Donc là, voilà, on en est à l'heure actuelle encore dans du range sur le gold autour d'ailleurs de sa borne basse. Et c'est vrai que le gold me verrait bien l'acheter ce matin. Il est déjà en train de réagir avant l'open, ça c'est pas la mauvaise nouvelle, j'ai envie de dire entre guillemets, mais bon on va voir comment ça se passe tout ça, s'il y a des opportunités à prendre bien évidemment. Hop, on va partir sur le Brent maintenant en respiration suite à cette belle cassure des fameux 84 dollars le baril, niveau important puisque grosse zone de range ici hein, qui avait été présentée sur ces graphes il y a un moment de cela déjà. Quand on descend sur le graphique ici, alors on va ajouter les points pivots rapidement, mais quand on descend sur le graphique, on a cassé cette oblique, on l'a retravaillé côté extérieur et là on va la retravailler, mais
Je vais l'enlever, elle n'est pas extraordinaire, je trouve, cette oblique-là. Plutôt, regardez ce qui se passe directement sur le 15 minutes. Sur le 15 minutes, on a eu donc des tests sur cette zone support. Et l'air de rien, on a quand même ici aussi des tests désormais. Donc en fait, on évolue encore à l'horizontale, jusqu'à preuve du contraire, vis-à-vis de cette zone support des 80-50 pour un niveau haut. Du coup, on pourrait mettre les 81, j'ai l'impression. Alors ça me paraît quand même un peu haut. On va mettre les 80-90 alors. Voilà, ça me paraît plutôt bien. En plus, on est en train de mécher sur le niveau de mes précédents. Là, support, ici résistance encore. Donc attention à ce trading de range ici, soit pour un break et tester le sommet précédent avec les 80-50, soit du range, donc borne basse. Et si on casse par là, attention, fausse cassure possible avec le point pivot, et sinon, du coup, poursuite en récupération du mouvement. Mais vous savez bien que on est plus largement dans une tendance baissière. Là, la correction, forcément, ça implique un peu de tendance haussière. Donc, il faudra voir si le marché, en fait, à un moment donné, est capable de repartir sur la tendance baissière pour continuer la grosse tendance, du coup, journalière baissière. C'est l'idée aussi, la tractabilité des marchés et de mettre en concordance différentes unités de temps. Donc, on va rester plutôt sur le 15 minutes. Voilà, et on va attaquer l'euro dollar. Il est déjà 56, je me dépêche. Je reviens peut-être sur le chat, du coup. Dès que possible, parce que du coup, on a quand même ces deux paires forex, au moins ces deux paires forex à regarder. Ensuite, on ira voir le reste. Tendance haussière ici, donc sur l'euro dollar, largement au-dessus des 1,03. On pourra même mettre un nouveau niveau autour des 1,0450 bientôt. Le graphique horaire, lui, va nous montrer la sortie de la zone de range dont on avait parlé ici avec la borne des 1,0580 cassée. Pour autant, on se limite sur l'obstacle résistance des 1,0650, une zone support pour moi de l'autre côté 1,06. C'est un prix relativement médian qu'on est en train de travailler, les 1,0625. Alors, quand on descend, vous en doutez ici, hein, on commençait à avoir beaucoup d'hésitations par là. Bah, c'est encore du trading de range. Voilà. Alors, le trading de range qui va se présenter plutôt comme ça. On va regarder les niveaux que ça nous donne aussi. Et on va parler du coup 25 par là et des 40 par ici. Des 40 ou des 37? On va parler des 40. On va peut-être parler des 22 ici quand même. Voilà, histoire d'être un tout petit peu plus large. Donc voilà, hein, le petit trading de range dans lequel on évolue ici. Trading de range jusqu'à preuve du contraire. Si on casse, attention, on avait rebondi sur le même niveau où on a désormais le point pivot du jour. Si on sort par le haut, on pourrait avoir une fausse cassure avec cette résistance du coup qui nous attend sur les 1,0650. Donc rien n'est fait sur l'euro dollar à l'heure actuelle. Attention, je vous avoue que je préférais l'acheter cet euro dollar ici aussi. Mais on va voir comment ça se présente. On va voir comment ça se présente, bien sûr. GBPUSD à 3 minutes de l'open, toujours dans sa belle tendance haussière face à sa R1 mensuelle. Alors on a un graphique horaire qui nous a permis aussi d'avoir un très joli breakout de zone de range, donc par le haut ici, avec la news de l'inflation d'hier. Et par contre, bah, vous en doutez encore et encore, on a des sommets qui sont quasiment égaux, on a des creux qui sont quasiment égaux. Tout ça va très certainement ranger entre deux jolies zones que je vous ai déjà définies. Ça va être une zone support pour moi inclus sur les 1,2342 pour une borne haute 1,2375 tout simplement. Je vais pas réussir à le désélectionner à cause donc du watermark derrière. Donc je vais dans la liste objet, je désélectionne le rectangle et c'est fait. Donc trading range, pareil, GBPUSD, je vous avoue que j'aurais bien aimé l'acheter, mais commence à réagir déjà aussi avant l'open, c'est dommage. Borne basse ici pour un prix médian, borne haute c'est déjà en cours, donc je vais faire bien attention sur le GBP USD. Donc on va faire le reste des marchés juste après. Je vais revenir sur le chat aussi, on va voir déjà ce qui est possible de faire sur l'open. On va rester sur du gold du coup dans un premier temps ici. Je vous disais, le gold intéressant, je le trouve ce matin à la hausse, on va voir ce qu'il en est. Le DAX qui descend, mais pour moi il faudra vraiment pouvoir descendre un petit peu plus que ça et avoir un marché qui se retourne pour que ce soit intéressant. Le FTSE 600 pour l'instant qui commence à bien baisser, qui va rentrer dans une nouvelle zone du coup, hop, il va être là. Le FTSE 600, non, il est juste derrière. Voilà, ici, il va rentrer dans ouais, la deuxième zone, c'est-à-dire la partie inférieure de la zone de range, mais il y a quand même de quoi respirer. Donc, on verra si l'euro dollar n'est pas plus intéressant ce matin. Il est déjà en rebond, cet euro dollar, mais on va voir ça. On va voir ça sur l'open. Peut-être un peu plus d'euro dollar et de GBP/USD ce matin. Même si GBP/USD a déjà bien réagi. Hein, déjà bien réagi. Ce sera peut-être du gold du coup pour démarrer. Alors il est 59, je reviens rapidement sur le chat.
J'en étais où? Voilà, Interactive qui est sans cesse participant, donc sans cesse pouce, il en manque, c'est clair. Merci beaucoup, ça fait plaisir Interactive. En plus, on est 137 maintenant, 74 avant l'open. Ça fait très plaisir d'avoir 74 likes. Merci à tout le monde. L'open qui se fait, Index qui veut descendre un petit peu plus justement. Alors, on va voir comment tout ça, ça se présente. Hein. On va voir comment tout ça, ça se présente. Je regarde juste un petit truc et j'arrive tout de suite. Voir si on n'a pas du rebond ici attendu aussi sur le gold encore. Pour l'instant, c'est timide. Pour l'instant, c'est timide. Sur le gold, on va voir ça. Je vais prendre quand même peu de risque parce que c'est pas parfait, parfait. Ça hésite, ça hésite. Je vais regarder aussi ici du coup pour... On a un DAX qui touche déjà sa borne basse. Ça peut être sympa. Ça peut être intéressant. Malheureusement, le gold a légèrement touché la zone. Je suis en train de régler du côté du l'euro USD pour une taille de stop possible, mais pour l'instant ça se présente pas. C'est déjà en train de réagir. Alors, si je prends le trade là, ça va me faire quand même un ratio plus grand dans les 1,2$ l'once d'or. Peut-être attendre de voir si on n'a pas un tout petit peu plus de baisse. Ah, malheureusement, le rebond qui est en train de se faire sans moi. À peu de choses près, du coup. Hein. Peu de choses près. En fait, on a chatouillé les 808. Ouais, c'est déjà en train de... Ouais, dommage. Déjà du 0,8$ l'once d'or. Petit rebond ici qui est à peu de choses près. Dommage, dommage. Je reviens sur le chat du coup. Rafik qui nous dit bonjour. Bienvenue à toi, Rafik du coup. Françoise qui nous dit Interactive, Bruno et moi sommes partants. C'est trop sympa. Merci beaucoup, Françoise. Interactive. Alors, pardon, Benetto qui nous dit merci pour ta réponse. Je backtest en réel une rentabilité avec ma méthode sur plusieurs mois avec un simple ratio fixe sur situation particulière qui assure de la VWAP sur un temps imparti. Ça marche. Alors, ratio fixe, yes, du moment bien sûr que si tu peux un maximum, bien sûr, avoir tes stops et tes TP qui sont dynamiques avec le marché, c'est d'autant plus sympathique. C'est vraiment dommage. Il y avait déjà un petit rebond, il y avait un stop de. Dans les 0,07-0,08$ l'once d'or, on aurait déjà fait du 1,4 quasiment. Donc, opportunité que je ne vais pas aller prendre, puisqu'elle vient de passer sur l'open. Il y avait un tout petit rebond ici déjà. Du coup, pour ce fameux 1,3-1,4 quasiment avec. Alors, oui, 1,4 en brut, mais avec le spread, on aurait pu parler du coup de 1,2. Mais largement suffisant déjà pour sécuriser. Ensuite, du coup, qu'est-ce qu'on a dans cette zone sur le gold? On a ce prix relativement médian des 1810, on a ce sommet à aller rechercher. Donc, dommage, dommage, dommage. Juste mettre ici, c'était les 808, on va voir, ça aurait été déjà sécurisé en tout cas. J'ai quand même envie de le marquer parce que c'est vraiment dommage. Alors, je vais le marquer plutôt en noir ici, tac.
ça ressortira mieux. Alors, on commence à avoir un petit peu de réaction sur le DAX aussi avec sa borne basse, mais pour l'instant pas suffisamment intéressant. J'aimerais bien que l'euro-dollar redescende un petit peu sur sa borne basse, et là ça m'intéresserait. Du coup, j'aurai un stop dans les 6 pips, hop, pour prendre un peu de sécurité. Donc là, on sera un retour sur le prix déjà. Alors, on va voir. Ça va peut-être être mon occasion. Ah, il m'a enlevé les. Alors, attendez. Il m'a enlevé mes stops. Hop. Attention au mini terminal hein, qui parfois va changer. Justement, donc moi, l'idée ici, c'était d'avoir quelque chose comme du 0,8, on avait dit. Là j'obtiens un prix clairement bas, j'attends juste de voir un petit peu la réaction parce qu'on est en train de bien tester la zone. Je vais quand même surveiller ça parce que la cassure serait peut-être en train de se faire. Donc attention, quand vous changez d'unité de temps, c'est vrai que de temps en temps le mini terminal va enlever votre taille de stop. Et ça c'est dommage. Tiens, hop. Voilà, j'ai mon opportunité sur l'euro dollar. Je vais rester vigilant quand même sur le gold. Parce que pour le moment, ça veut quand même casser. En tout cas, bien, bien tester. Les prochaines minutes vont être intéressantes à voir. Interactif qui nous dit du coup information sincère à toutes et à tous depuis que j'écoute Jérémy chaque matin je réalise chaque jour des bénéfices sur mon compte réel. Bravo Interactif pour tes résultats, ça fait très plaisir et très content que j'ai pu du coup t'aider hein, clairement. Ça fait super plaisir comme retour, merci beaucoup, vraiment, ça me touche Interactif. C'est vraiment top de voir ce genre de résultats, c'est mes petites récompenses aussi, ces commentaires à lire ici. Mais 140 ce matin, j'espère que tout le monde va bien, 80 likes pour démarrer la séance. Donc je ne vais pas rentrer pour le moment sur le gold, puisque le gold il a commencé quand même à casser un petit peu trop. À casser un petit peu trop. Vous voyez ici, on a quand même deux bougies fortes à la baisse. Initié par contre à l'achat ici pour l'instant, ça a du mal aussi à réagir, à rebondir sur l'euro dollar. Le DAX pas intéressé pour le moment. C'est maintenant ou jamais pour l'euro dollar. Le gold qui continue de descendre, donc ça va être 100 mois pour l'instant. Gold, à ce moment-là, on pourrait être dans la poursuite de la continuation, du coup, de la récupération des mouvements d'hier. Donc, j'ai un stop de 6 pips. On va voir ce que ça peut donner pour du coup, aller sécuriser bientôt l'euro-dollar. Quand on évoluera au moins sur du 4 pips, 3-4 pips. Voilà, il y a du rebond sur l'euro dollar pour l'instant qui se fait, c'est plutôt bien. Allez, les 3-4 pips dont on parlait, ils me sont passés sous le nez. Je crois qu'il y a eu du 3,5. Allez, un petit push ici sur les 4, ce serait parfait. 3-4. Si on passe sur du 1 minute, ce qu'on a fait de plus haut ici, c'est du 2,5. La bougie d'avant, c'était du 3,5. Allez, on va voir si on peut y retourner un petit peu. Là, c'était sur le 5 minutes pour avoir un big picture un peu dans cette opportunité-là. Du 2,8, du 3. Allez, 3,5, pourquoi pas, net.
Bon, je vais prendre A3. Ça fait mon ratio 0,5. Je vais sécuriser derrière. Donc il arrive à se protéger. Hop, ici. Tac. Donc point d'entrée ici, hein, sur les 0,6,22. Protection pour l'instant. Ensuite, partiel, prix médian et finalité avec un beau ratio. Parce que pour un stop de 6, on parle d'un TP de 17 pips sur l'euro dollar à la hausse. Après, c'est vrai que le gold, il aurait beaucoup à récupérer par rapport à sa hausse d'hier. Alors, le DAX, qu'est-ce qui se passe? Le DAX, il commence à réagir. Voilà le 4 pips de latent maintenant sur l'euro dollar. Didier qui me disait, du coup, c'est rare, j'ai pas encore pris de trade avant 8h. Ah oui, dis donc, c'est rare, Didier. Mais en tout cas, s'il n'y a pas d'opportunité, c'est une bonne chose. Benetto qui me disait, vous tradez sur plusieurs marchés. Alors, dans ces séances, j'essaie de vous faire un maximum d'exemples, clairement. Alors, on est sur du 6 pips ici. Le ratio de 1 pour 1 est atteint en latent. Je vous avoue que j'aimerais bien avoir les 30. Un tout petit peu plus haut encore ici. Pour une sortie partielle qui ferait en sorte que ce trade est gagnant quoi qu'il arrive. Donc, je vais rester en stand-by là-dessus. J'essaie de vous faire un maximum de. Ici, allez, on y est presque. Voilà. Sortie partielle, donc là quoi qu'il arrive, scénario gagnant avec du coup un prix médian. Je vais laisser la faire la target ensuite des 17 pips, soit augmenter un maximum le ratio aussi ici. Donc ce que je voulais dire, c'est que j'essaye de faire un maximum d'exemples à titre éducatif et pédagogique sur différents marchés. Il y en a qui préfèrent le gold, il y en a qui préfèrent le forex, il y en a qui vont préférer les indices boursiers. Je suis très très souvent sur les indices boursiers, je vous fais de plus en plus d'exemples sur le forex également ici et le gold aussi. C'est vrai qu'avec la mise à jour que je suis en train de faire du système et de la méthode du coup, que je mets en place, ça me permet aussi d'aller faire différentes choses sur d'autres domaines. Typiquement ici, un trade aussi qui correspond avec ma méthode. Donc c'est pour ça que je me permets d'aller un peu plus aussi sur d'autres marchés, puisque ici ça couvre aussi pas mal d'autres possibilités. Là par exemple, oui, il y a du rebond sur une borne basse des 14 440, mais clairement, il n'y avait pas d'opportunité pour le moment. Digne de ce nom, j'ai envie de dire. Donc voilà, l'euro USD gagnant quoi qu'il arrive. Le gold, du coup, je ne suis pas rentré dedans. On va voir comment les choses se présentent, mais j'ai l'impression que le marché souhaite quand même peut-être être capable, regardez sur le graphique horaire, de deux choses l'une. Soit on tient la borne basse, soit on va respirer plus. On va respirer plus. Donc, c'est assez possible, justement. Donc, à voir, à voir. Si ça tient, je préférerais acheter. Si ça lâche, bien sûr, je préférerais vendre. Mais c'est vrai qu'il y a un potentiel de respiration qui n'est pas négligeable. Donc, tout à l'heure, petite opportunité qui aurait déjà été sécurisée. Donc, ce serait sorti à zéro. Là, je suis en cours sur du 7 pips. Hâte de voir si la borne haute de l'euro dollar peut-être atteindre avec son sommet présent autour du coup. Son sommet, alors, vrai sommet, il est sur les 0,642. Moi, je vais avoir un niveau autour des 39, hein, 0,639 par exemple, pour un TP final sur l'euro dollar à la hausse. On commence quand même à avoir un petit peu de maintien. Donc je vais quand même rester à l'affût sur le gold. Je vous avoue que j'aurais bien aimé aussi pouvoir acheter le GBP/USD. Pour l'instant, du coup, pas d'opportunité. En plus, on se rapproche de plus en plus de la borne, donc ça va être de moins en moins intéressant, entre guillemets, pour ma part. Donc on va surveiller ça. On reste limité par rapport à ces petits sommets précédents pour l'instant sur le dollar, c'est ça qu'il faut réussir à casser. Allez, je vais revenir sur le chat ici. Gamebouille qui nous dit bonjour tout le monde, bienvenue à toi Gamebouille aussi. Interactive qui nous dit je trade le DAX, le Dow et le Nasdaq. Ah, c'était peut-être une question pour Interactive du coup. Bah, des très bons actifs, hein, clairement ici, je suis tout à fait partisan de ces actifs-là, Interactive. Le DAX, j'adore, le Dow, le Nasdaq aussi, c'est les trois meilleurs, je trouve, à trader. Jonathan qui disait hello à tous, bonne journée et bon trade avec un live. Merci, bienvenue à toi aussi, Jonathan. On a 90 likes, 147 participants ce matin. C'est les trois derniers lives de l'année avec du coup un webinaire qui va
fais pas partie de ces lives de la matinale Admiral, bien sûr, mais un webinaire demain soir. Je vais vous remontrer ça. Ça va être ici. Du coup, le webinaire de demain soir, donc le 19, hein, pardon, le 15 décembre, je vais y arriver. Voilà, de 19h à 20h30. Dernier webinaire de l'année réservé aux clients sur Contrer HM Mirals. On va parler technique fondamentale, psychologie, astuces pour vos investissements, stratégie aussi, avec deux, trois petites choses très intéressantes pour bien vous préparer. Du coup, à cette année, on a, si vous voulez, les prémices un petit peu, hein, c'était un petit peu l'introduction à ce genre de choses, du coup, avec le dernier webinaire ouvert dont vous avez le replay en ligne ici, trouver les bonnes opportunités en trading pour 2023. C'était un peu l'introduction. On va aller plus loin dans cet événement réservé sur, du coup, Contrel, hein, pour les clients sur Contrel. Donc, je vous redonne le lien ici. N'hésitez pas, c'est le rendez-vous en plus annuel qu'on fait chez Admirals. Donc ça et trois derniers lives, dont le live de ce matin. Pour l'instant, à l'achat sur l'euro dollar, ça se passe plutôt bien, sécurisé gagnant quoi qu'il arrive. Le gold qui est un petit peu plus piégeur ici, du coup j'aurais eu ces sécurisations du premier tout petit trade ici, et là ensuite ça a cassé, j'ai pas eu encore de nouvelles opportunités. Le DAX, attention, attention, il faut vraiment qu'on ait des belles choses sur cette borne basse pour l'instant. Si on regarde un petit peu le FTSE, il est en train de continuer sa baisse pour récupérer de plus en plus sa zone de range et pourquoi pas sa borne basse. Le GBP/USD tout à l'heure n'a pas offert d'opportunités suffisamment intéressantes, malheureusement, puisque sinon ça aurait pu être sympa pour jouer le petit rebond ici. Du coup, après rejet borne basse, idéalement j'aime bien aller rechercher une borne haute. Donc c'est exactement le scénario qu'on a en cours ici sur l'euro dollar. Il est 9h16, on peut aussi aller voir un petit peu le CAC 40. Le CAC 40 se limite sur son point pivot et les 6725 points aux abords de la borne haute pour aller peut-être chercher la borne basse. Donc voilà, 8 points de latence pour l'instant de retour sur le prix médian et TP partiel de fait aussi ici sur l'euro dollar. Ça me laisse le temps de revenir un peu sur le chat. N'hésitez pas si vous avez des questions. Je vous le disais, des trois derniers lives du coup de l'année pour cette matinale Admirals, c'est maintenant. Ça va, tu arrives à être rentable, nous disait Beneteau. Alors du coup, c'était une question pour Interactive ou pour moi, Beneteau. Arona qui dit bonjour à tous, un passage éclair et bon trade à tous. Merci beaucoup Arona, ça fait plaisir. Très très bonne journée à toi aussi. J'espère que tout se passe bien de ton côté. Fabien qui nous dit du coup, borne basse égale le plus bas de la journée ou l'ouverture ou autre. Merci par avance. Non, borne basse, c'est une zone support tout simplement où le cours est venu tester plusieurs fois la zone de prix et à chaque fois a marqué du rebond. La borne haute, c'est une résistance où pareil, plusieurs fois le cours est venu chercher le niveau de prix, la zone de prix et a marqué du rejet à chaque fois. Dis-moi si c'est du coup pour toi, Fabien, je t'en prie, tu nous es merci par avance. Didier qui disait bonne nuit à Arona en rigolant. Oui, c'est clair, c'est clair. Heure décalée du coup pour Arona. U15, pardon, je vais dire en anglais. U15, tu nous disais souvent quand j'utilise le mini terminal MT5, me hint que le trading n'est pas activé, je dois fermer mon internet et réouvrir, est-ce normal? Est-ce que tu as la touche Trading Algo qui est active ici? Et est-ce que dans la partie outils options, tu as dans la partie expert consultant autorisé le trading algorithmique et les importations DLL? Très important pour que n'importe quel expert advisor sur ta plateforme, que ce soit MT4 ou MT5, fonctionne. Voilà, ici on fait déjà le test borne haute, donc j'aurais plus intérêt ici pour l'instant à attendre des achats. Ici c'était intéressant, mais il n'y avait pas suffisamment d'arguments pour moi. Là, ça s'est passé avec des arguments convaincants, c'est pour ça que j'ai pris le trade et que je vous ai dit, même avant de savoir comment ça se passait, que c'était le genre de trade aussi qui font partie de ma mise à jour. Mais voilà, pour l'instant ici sur le gold, il y aurait eu un scénario juste à zéro, là toujours en attente de voir ce qu'il est capable de faire en fonction de cette borne basse sur du coup le DAX. Youkins, tu nous disais merci, je t'en prie. Arona qui sourit, du coup. Raphaël qui nous dit bonjour à tous, bienvenue à toi aussi, Raphaël. Je regarde sur Zoom, pas de questions. Interactif qui nous dit du coup, je fais entre 1 et 3% par jour. Bravo, très très beau score. Ça, plus des intérêts composés, ça fait pas mal. Yann qui nous dit du coup, moi j'utilise un robot qui me fait entre 2 et 4% par jour. Ah, plutôt pas mal aussi, bravo. Mala qui nous dit bonjour Jérémy, bonjour à tous, bonne séance. Du coup, merci beaucoup, bienvenue à toi, ça fait plaisir. Très très bonne séance à toi également, Arnaud qui nous dit bonjour Jérémy, à tout le monde, bienvenue à toi aussi Arnaud. Tu nous dis s'il te plaît Jérémy, besoin d'une stratégie, j'arrive à rien ces derniers temps. Alors tu as beaucoup d'idées de stratégie sur la chaîne YouTube Admirals. Tu peux les regarder, tu peux t'en inspirer et aussi aller backtester un petit peu tout ça. Concentre-toi un maximum, pas sur des indicateurs techniques, mais plutôt sur le comportement du prix et tu seras déjà sur la bonne voie. Mais dis-moi Arnaud si tu as déjà eu l'occasion de regarder les articles justement et les vidéos qui parlent des stratégies partagées sur la chaîne YouTube Admirals.
Il y en a où il y a pas mal d'indicateurs, il y en a où il y a moins d'indicateurs. Donc tu as le choix, il y en a pour tout le monde, littéralement ici. 11 pips de latence sur l'euro-dollar à la recherche de la borne haute. Je vous le disais, c'est dans les 17 pips. J'aimerais voir bien sûr cette clôture arriver ou cet objectif être atteint. Il est à peine 9h19, ça peut se passer très vite. Borne basse pour borne haute. Vous voyez, j'ai obtenu un prix très bas dans cette borne basse avec le stop initial, bien sûr, qui n'était pas là, hein, sinon j'aurais été déclenché, mais il était là. Et du coup, là, je l'ai sécurisé au fur et à mesure. Du coup, comme on 12 pips de latent, on n'est pas si loin que ça. Il nous reste 5 pips à faire pour la target finale. Donc un beau ratio puisque stop initial de 6 pips, target finale de 17 pips. C'est là où on se rémunère bien sûr sur ces fameux TP partiel et TP finaux clairement. Yann qui nous dit tu es top Jérémy, merci pour tout. Merci beaucoup Yann pour ton message, ça fait très plaisir. Très très plaisir. Raphaël qui nous a envoyé des likes aussi. On est déjà à 100 de likes. Merci beaucoup. J'ai l'impression du coup qu'on va vite ce matin également, aussi bien sur l'euro-dollar que sur les likes. Et ça fait d'autant plus plaisir. Douglas qui nous dit coucou tout le monde. Bienvenue à toi aussi, Douglas. Joby qui nous disait comment retrouver la case de la taille des positions SL blanc. Alors attends que je comprenne bien ce que tu veux dire. La case des positions SL blanc. De la taille des positions et celle blanc. Tu veux dire non, bah non. La case des positions et celle blanc. Est-ce que tu parles de l'espace où tu vois le niveau de ton stop loss dans la partie terminale de la plateforme peut-être? Oui, super la réponse pour Fabien, parfait. Dis-moi un peu plus, un peu Jobé ici que je comprenne bien. Franck qui nous disait aussi bonjour, bienvenue à toi. Ben Oleka qui nous disait bonjour depuis Bruxelles, les traders, bienvenue à toi. Konat qui nous dit pas de position sur le Gold M5. Non, 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 pas de position. Pas de position pour l'instant. On va voir ça. On va voir ça s'il y a quelque chose à faire bientôt. Mais je risque de pas avoir du coup de scénario pour l'instant. On est déjà en plus sur un retest des 1810. On est monté pas loin. On est monté à 2 pips de la target sur l'euro dollar. Donc je vais me placer quand même désormais break-even. Donc je fais ici par exemple la roulette bleue sortie au seuil de rentabilité. Ça me met directement mon stop du coup suiveur au niveau de mon point d'entrée. Attention, le spread ici n'est pas décompté. Donc il faut remonter encore un petit peu pour avoir un break-even positif ou en tout cas à zéro avec le spread inclus. Donc ici voilà, je vais voir pour gérer tout ça tout simplement. Parce que pour l'instant ça monte relativement bien. Je pense même pouvoir placer mon stop sur du 3 pips ici. La target 1 aussi et on va voir maintenant, c'est soit une sortie du coup sur du coup du 3 pips pour le stop suiveur, soit dans les 17 pips, 16 pips. On va voir comment ça se présente sur ce test ici, mais on n'est vraiment pas très loin. Allez, faut que ça pousse encore un petit peu. Si on peut casser les 37, les 39 sont littéralement à portée de main. Voilà le DAX qui revient déjà sur sa borne basse. C'est pas très propre, mais je pourrais prendre un risque assez limité ici dans la zone pour du rebond sur le DAX. Le stop, il est passé sur les 28. Voilà, c'est maintenant que ça se décide sur le DAX. Allez, l'euro dollar peut-être pour la borne haute. Donc là, j'ai pris moins de risques aussi parce que c'est pas un setup magnifique. Il n'y a pas tous les arguments, mais c'est une borne basse qui peut réagir. Ah, ça y est, ça sort. Donc, vous voyez ici, hein, quand on prend pas les setups qui sont vraiment de bonne qualité comme sur l'euro dollar, ça pardonne pas. Ça pardonne pas aussi. Donc c'est là où il faut rester patient, il faut se dire voilà, il n'y a peut-être pas tous les trades à prendre, etc. Mais du coup, je voulais vous souligner ici ce genre d'opportunité aussi, rebond borne basse. Sur le graphique 1 minute, ça donnait ça. Dans cette zone-là, avec du rebond possible par rapport à ces creux-là. Mais là, on cherche à piéger un petit peu plus le marché encore.
Fabien, tu disais ce soir tu live, Jérémy. Non, malheureusement, je pourrais pas parce qu'il y a le webinaire justement annuel de demain soir que je dois finir de préparer. Il y a beaucoup de choses. Ça sera compliqué pour le live de ce soir. Mais l'année prochaine, on refera les lives FOMC, bien sûr. MB Vegas qui nous dit du coup, j'ai trop sécurisé sur l'EURUSD, mais content, premier trade gagnant en démo. Parfait, MB Vegas. Bravo, bravo pour le trade gagnant ici. Alors, si tu démarres, c'est normal que tu aies tendance à vouloir peut-être trop sécuriser à chaque fois. Mais l'idée des partiels reste quand même une bonne chose, si tu vois ce que je veux dire. Donc après, il faudra juste, voilà, pas trop sécuriser, sinon même ta target finale ne représente pas grand-chose. C'est ça qu'il faut garder à l'esprit et c'est là où il faut faire attention. Allez, nouvelle petite opportunité sur cette fois-ci. Se présente déjà un petit peu mieux en réaction de cette borne basse. On est passé à 5. 5, 6, il nous faut les 6, 7, 8, parfait. TP1 atteint, du coup, je vais pouvoir sécuriser dans les 8. Pareil ici, hein, des ratios qui peuvent être intéressants. Puisque TP final dans les 35, donc c'est du 3, quasiment du 3 de ratio pour le TP final. J'irai voir pour un second TP autour de la zone des 55-58. Allez, l'euro dollar, faut que ça pousse encore un petit peu ici. Donc là, si vous voulez, j'ai attendu plus de confirmation. Et vous voyez que par rapport au premier trade, ça agit directement déjà beaucoup plus vite. Ça ne veut pas dire que ce sera un trade qui ira full target, hein. Bien sûr, c'est des probabilités, des statistiques comme on le dit à chaque fois. Mais c'est déjà sécurisé. Alors, Jobé qui nous dit où tu mets pour entrer en position, oui, s'il te plaît. Ah, où tu mets la taille de ton stop. Alors dis-moi Jobé si t'es sur l'édition suprême chez Admirals ou pas. Parce que si t'es pas. Alors on risque de sortir à 0. Ouais. Mais en tout cas sécurisé sur le DAX. Sortie 0, 9 pips pour l'instant. On a du mal à aller rechercher directement la borne haute ici sur l'euro dollar. Pour du coup mettre ton stop, par exemple, bah, en fait, c'est quand tu fais un nouvel ordre, hein, si tu utilises directement la plateforme ici. Imaginons que tu veux prendre je sais pas moi, on va dire 0,2 lot. Tac. Le niveau de prix de ton stop, tu le places ici. Le niveau de ton TP, tu le places là. T'es pas obligé de placer tout de suite un TP. Idéalement, un stop, bah, parce qu'au moins, tu as une gestion du risque qui est respectée. Et ici, du coup, tu peux rentrer la valeur du prix. Donc, par exemple, tu vois, on est sur ici l'euro dollar. Donc, si je veux un stop, je sais pas, sur les 1,0625, tu mets 1,0625. Tu vois. Et du coup, si là je fais achat, bah, je vais reprendre une position avec un stop ici placé là. Mais tu vois, le souci ici, c'est que je n'aurai pas l'équivalent de mon risque en euros par rapport à la taille de mon stop, etc. C'est pour ça que utiliser le mini terminal, c'est très intéressant. C'est pour ça qu'ici, j'ai utilisé le mini terminal pour faire par exemple. Alors, c'est 0,88, ça devait être. Ouais, donc c'était un risque à 50, oui, parce que c'était beaucoup plus safe. Hop. Donc tu vois ici, 6 pips, j'ai voulu 6 pips depuis mon point d'entrée, 6 pips en dessous pour un stop, et j'ai voulu que cette distance des 6 pips représente 50 euros. Et immédiatement, le mini terminal me met 0,88 lots, j'ai fait paramétrer les lots, j'ai pu prendre le trade, et il a respecté du coup mon risque qui à la base était de 50 euros avec un stop à peu près par là, et depuis j'ai sécurisé la position, etc. Dis-moi si c'est plus clair pour toi, et si tu as besoin du lien justement pour l'édition suprême, parce que ça te mâche énormément le travail. Perso, avant d'avoir l'édition suprême hein, dans ces lives, et même dans mon trading, mais bon, ça remonte déjà parce que ça existe depuis longtemps maintenant, c'était tableau Excel pour calculer la valeur du coup du point ou du pips, et du coup, y trouver la distance et le nombre de lots nécessaires pour atteindre tout simplement le risque que je veux avec la distance que je veux, quoi. Aurore, tu es super sécurisé en EURUSD avec prise partielle et idem sur l'or où j'étais entré. Top, 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 Aurore, bravo, bravo. Alors attention, ça a corrigé sur l'or. On est en train de respirer sur le GBP/USD aussi, puisque borne haute de zone de range et le CAC qui tente la cassure. On va regarder un petit peu le CAC, pardon, le DAX. Le CAC, on peut aller le regarder justement. Il est direction sa borne basse. Le FTSE 100, du coup, recherche de plus en plus le test de sa borne basse ici aussi.
Mais du coup, ouais, il y avait un petit peu de rebond à jouer ici pour moi. Donc, un scénario perdant un peu agressif, un scénario plus sécure sorti à zéro. Du coup, scénario gagnant quoi qu'il arrive sur un euro dollar qui a du mal à aller rechercher jusqu'à la borne haute. Pour l'instant, on s'est arrêté ici. J'aurais pu être plus safe, mais je voulais du coup un bon test de borne haute. Du coup, on va rester sur du 16,5 pips, mais je vais pas bouger plus que ça. Du coup, ici. Je vais rester en stand-by pour l'instant, toujours sur mon trade en cours sur l'euro dollar. Il y avait du rebond dans cette zone ici, je ne l'ai pas vu. Allez, 15 pips, on n'est pas loin du 16,5 pips ici. Il faut que le bid aille toucher ma target. Allez, ça y est, la target qui est faite sur l'euro USD. Donc un très joli trading en range, borne basse pour borne haute, avec du TP court pour un taux de réussite élevé, du prix médian et une borne haute. Donc ça, c'est du pur trading de range. Ce qui est intéressant parce que il y a très souvent du trading de range sur les marchés, clairement. Dommage pour le petit rebond du coup sur le gold, mais il y avait du petit rebond à prendre et il y avait de quoi aller chercher déjà du 0,6$ l'once d'or pour un stop qui était dans les 0,7, donc quasiment du 1 pour 1. Et ça repousse un peu sur l'euro USD, ça réagit aussi pour un nouveau test borne haute sur le GBP USD pour le coup. Toujours pas de questions sur Zoom, je regarde. 111 likes, merci beaucoup. On est 147, j'espère que tout le monde va bien. Dites-moi s'il y a des actifs que vous voulez voir. On va continuer avec l'USDK, l'USDJPY, le Bitcoin, etc. Il se passe des choses sur le Bitcoin puisqu'on a su casser aussi des niveaux importants. Et en tout cas, dites-moi s'il y a des actifs que vous voulez voir en particulier. On va repartir maintenant un peu que c'est déjà lancé tout ça. USDCAD rapidement, retour, direction possible, son point pivot et les fameux 1,35 hein, qui ont déjà beaucoup travaillé, qui sont très souvent là en recherche. On avait cette zone de range, je vais pouvoir du coup nettoyer un petit peu les graphiques, l'enlever, etc. On a réagi récemment justement en sortant de la zone. Là, le plus intéressant récemment, c'est cette zone de résistance qui marque le rejet des fameux 1,35,70 qu'on avait marqué ensemble ici, qui avait été support dans le passé, qui font ici résistance, nous permettant d'aller chercher déjà le test quasiment du creux précédent avec le support des 1,35,37. Donc si ça lâche en extension, on allait 1,35, les points pivots en concordance zone support S1, et d'ailleurs on avait une belle concordance point pivot avec cette résistance. Donc pour ceux qui sont de nuit hein, sur l'USD4 par exemple, il y avait un très très joli rejet ici à prendre par exemple à la baisse. L'USDJPY déjà sur retour zone support, mais vous savez qu'on est dans de la tendance baissière, c'est juste qu'on a une belle zone support S1 et notamment un niveau clé 135,50 qui bloque un peu les vendeurs pour le moment. Ce qui est clair en tout cas, c'est qu'on avait cette zone de range ici, donc on n'a pas vraiment réintégré. Un test, deux tests, trois tests, quatre tests, rejet, on avait un peu rangé et puis break ici sous le coup, je devrais dire, de la news aussi hein, d'hier bien sûr. On retraverse tout ce range sans même le regarder. Du coup, donc je vais peut-être juste l'élargir comme ça. Hop. Et ça travaille beaucoup autour du niveau aimant vraiment des 135,50. Donc même si vous descendez sur du 15 minutes, on retrouve très certainement, attention, du trading de range après une grosse baisse comme ça, soit pour une dernière poursuite de creux possible, soit pour de la récupération, parce qu'il y a de quoi récupérer. Donc bien, bien attention. Je peux aller vous le mettre ici si vous voulez, sur le 15 minutes, le range que je pense que, ouais, dans lequel on est. On a un petit range comme ça. On a un petit range comme ça qui se tient bien côté extérieur, qui se tient bien à l'intérieur ici et là aussi. Donc ça va nous donner quoi comme niveau? Je regarde un petit peu ce qui se passe en même temps à côté pour essayer de pas louper d'opportunités, mais pour l'instant il n'y aura pas grand-chose de nouveau. Donc voilà les niveaux ici. Une borne haute sur les 135,70, une borne basse sur les 135,25. Je vous ai pas donné un petit peu, mais ici il y a
du coup sur le 15 minutes, bah, du trading de range aussi en attente désormais, puisque vous voyez tous ces sommets sur la borne haute, tous ces creux sur la borne basse ici, attention prix médian aussi, donc là pour le coup c'est une borne basse prévue sur les 1,3531, tout simplement pour la borne haute qui est en concordance avec le point pivot et les 1,3570. On continue donc le Bitcoin finalement. Ça faisait un moment, on en parlait hein, ici de cette cassure possible des 16 900. On avait parlé de cette consolidation juste à la sortie de cette zone-là. Et on a réussi avec un dernier test de cette petite borne basse à ensuite breaker sous le coup, j'imagine aussi, bah, des news d'hier, hein, tout simplement, également pour percer. Alors on est autour des 17 650 et du point pivot mensuel. Attention, une zone qui peut marquer la respiration, la consolidation pour un meilleur break et revenir sur des niveaux d'autant plus importants comme les 18 900 points. Ça peut être aussi une fausse cassure. Attention, on a eu beaucoup de pièges récemment aussi sur le Bitcoin. Du côté de l'Ethereum, c'est un petit peu la même histoire, mais on était un peu plus inséré, on va dire, encore dans l'ancien range. On a su casser ici, donc en attendant de voir si ça tient justement côté support avec les 1275 désormais. Sinon, on a un beau niveau sur les 1375. Du côté de l'EURJPY, on travaille toujours un petit peu à un niveau ultra important puisque ça reste les 144. On a ce trading de range que je peux aller élargir pour que ce soit clair pour tout le monde. Comme ceci, on serait en réintégration justement pour un test prix médian en borne basse avec la zone support S1. Et si jamais ça ressort ici, attention au point pivot aussi pour des fausses cassures ou des récupérations sur du coup l'ARA. Du côté Euro GBP, on évolue toujours dans le trading de range, je vais juste l'élargir. Là, je vous refais un petit point, mais dites-moi s'il y a des actifs que vous souhaiteriez voir du coup sur mes graphes ici. On est en réintégration de zone de range, maintenue possiblement avec le point pivot également et limité par la R1 autour de ce prix médian. Une zone de range établie entre les 86,35 et notamment les 85,90. Donc voilà, après il y a des actions, si vous voulez qu'on regarde tout ça, il n'y a pas de souci. On me demande souvent sur l'indice du dollar où on en est, donc sur le graphique web, on est sur tout simplement du range après un gros gros mouvement baissier ici. Du cas JPY dont on parlait hier, on avait parlé justement de cette borne haute testée à la fois du petit range et du grand range. Et bien vous voyez bien que justement avec la publication, ça nous a permis de maintenir tout ça, d'aller chercher la borne basse et de reconsolider derrière. Donc voilà, des petits points à droite, à gauche ici sur certains actifs. J'espère que ça vous fait plaisir aussi pour ces dernières séances de 2022. J'espère qu'en tout cas, pour tous ceux qui ont été avec nous courant de cette année, c'est bien sûr une bonne année qui s'est passée avec beaucoup d'apprentissage, beaucoup de choses et un bon bilan, clairement, pour tout le monde. Je remonte un petit peu, on en était où du coup? Benetto qui nous dit du coup pourquoi mettre Ichimoku uniquement sur l'euro dollar. Alors c'était juste pour, comme dans l'idée aussi, dans le principe de mettre par exemple sur USDJPY ou encore sur le GBPUSD ici, l'indicateur fractal, c'est des indicateurs que j'utilisais du coup à l'époque sur graphique temps. Du coup on m'avait fait la demande il y a un moment, ça fait des années maintenant, et du coup je vous montre à chaque fois un petit peu bah, le genre d'indicateur que j'utilisais à l'époque. Donc tu as l'indicateur fractal par exemple ici, qui ne se redessine pas, qui est intéressant, ça te donne des sommets, des creux, des petites structures en fait, ou grandes structures sur l'unité de temps sur laquelle tu te trouves. Et tu as aussi ici bien Ekanashi qui te permet de systématiser, de bien identifier aussi les impulsions, les corrections. Il y a un article complet sur Ekanashi, pour ceux que ça intéresse, dites-moi, je vous partagerai le lien. On est 151 ce matin, 115 likes déjà, je pense vraiment que les 130, comme me disait Interactive tout à l'heure, sont atteignables. Merci en tout cas à tous ceux qui likent. Ça fait bien plaisir. Konak qui nous disait comment faire votre analyse avant de placer votre position. Comment faire mon analyse avant de placer du coup ma position? Alors si tu veux, il y a des setups que je prends où je ne pourrais pas expliquer tout ce qui se passe puisque ça fait partie de ma méthode aussi. Il y a des setups qui sont très simples. Hein. Des fois, je vous montre juste un rejet d'une bougie sur un niveau support ou quoi. Tu as beaucoup de replays en live disponibles et tu as beaucoup de vidéos aussi où je te montrais d'ailleurs sur le système LTR avec les bougies Renko, le genre de setup que je prenais aussi. Donc après, si tu veux l'analyse, idéalement tu la fais en mode multi-time frame, c'est-à-dire sur plusieurs unités de temps quand même pour avoir un contexte. Et ensuite, il faut que tu trouves sur idéalement une zone de prix qui t'intéresse, la formation d'une bougie, pourquoi pas, ou d'une configuration de plusieurs bougies, c'est-à-dire des figures chartistes, ou pour ceux qui souhaitent rester sur indicateur, le moment où l'indicateur se confirme ce qui se passe dans ta zone, tu vois, pour avoir quelque chose qui commence à prendre forme, bien sûr, et après il faut backtester le tout. MB Vegas qui nous disait du coup double clic sur l'observation de marché sur l'actif désiré. Ah oui, pour faire alors Joby, oui, alors tu as sinon tu as soit ça soit nouvel ordre tout simplement, ou tu as le ticket là, tu choisis l'actif du coup sur lequel tu vas intervenir et tu rentres comme on disait tout à l'heure le niveau de stop, etc.
Boursicoteurs qui disaient à Conat, du coup, ils jettent des dés. Vous les entendez pas, parce qu'il y a un tapis, ça roule sans faire de bruit. Mais Boursicoteurs, il a bien raison, je jette des dés, et des fois ça passe. Excellent, Boursicoteurs. Robert qui nous disait, bonjour, comment faites-vous une vente partielle? Alors là, j'ai pas de vente en cours, mais c'est pareil qu'à l'achat. C'est-à-dire que quand tu as une position... Alors, je vais te faire un exemple hein, tout bête ici. Imaginons que je veux vendre ici. Je vous remontre un peu comment ça marche. 15 pips de stop. Je veux risquer par exemple 50 euros. Je clique sur paramétrer les lots. Ça me fait 0,17 de lot. Je fais vente. Donc là, tu vois, je rentre à la vente au marché. Mon prix est au prix actuel. Mon stop est de du coup. Alors, j'ai mis 25 euros peut-être au lieu de 50. J'ai pas fait attention. Et du coup, voilà, ça fait 15 de stop. Si je veux faire une sortie partielle d'une position de vente, c'est le même principe. Roulette bleue. Fermé partiellement et là tu fais le pourcentage que tu veux. Après, si tu veux faire le stop suiveur, enfin le break even, tu fais sortie au seuil de rentabilité, mais que ce soit à l'achat ou à la vente, c'est pareil. Donc c'est toujours pareil, la petite roulette bleue fermée partiellement, et pour ça il te faut l'édition suprême. Donc dis-moi si tu veux, je te partage le lien de l'édition suprême. Tu sors du pourcentage que tu veux ici, par exemple, je sais pas, on peut faire du vraiment petit hein, avec du seulement 10%, on peut faire vraiment de l'important avec du 90%, etc. Donc là, tu vois, je peux faire par exemple, moi très souvent ce que je fais c'est du 50. Donc on va regarder ici, par exemple, tu vois, je suis à 0,2 points, donc ça serait bien que je te sorte un pips quand même. Ici, mais bon, là je t'ai pris vraiment en mode random, juste un rejet, mais c'est pas pourtant que tu as vraiment une opportunité digne de ce nom. Dis-moi si tu veux, je te laisse l'opportunité, mais là, typiquement, c'est pas un trade que j'aurais été prendre. Moi, j'étais plutôt à l'achat du coup ce matin sur du coup sur le GBPUSD, mais bon, on va voir si tu veux, histoire que je te sorte en partiel de vente à quelques points, que tu vois un peu le concept, parce qu'après tu peux utiliser la touche HST pour voir tes sorties partielles aussi. Et ça, c'est intéressant, bah, un peu comme je l'ai fait là, tu vois. Sauf que là, c'est du coup une sortie partielle en gain ici, en là et là. Ça te met pas le pourcentage, mais tu sais où t'es sorti en partiel à chaque fois. Tu vois ce que je veux dire? Donc là, par exemple, si je veux faire une sortie partielle, parce que c'est vraiment pour un exemple, je fais 50. C'est juste que tu auras superposition quasiment, regarde, entre voilà, le prix d'entrée ici et le prix de sortie partielle. Donc là, si je clôture tout parce que ce n'était pas un trade, boum, là, j'ai clôturé la position. Donc dis-moi si c'est clair pour toi, mais vraiment, ça se passe de la même manière à la hausse que à la vente, en fait, que donc à l'achat que à la baisse. Allez, plus qu'un like, on a fait les 125 ce matin, ça fait super plaisir. Grande question pour tout le monde, est-ce qu'on arrivera aux 150 du coup dans un live avant vendredi 10h? Ça, c'est une grosse question. Robert qui nous disait, donc voilà, Robert, dis-moi si c'est clair pour toi. Matt Dollar qui disait Infini en 1 avec un like, puisque Infini en 1. Ah, attends, alors j'ai loupé des messages, j'ai l'impression. Je remonte un petit peu, excusez-moi. On en était où? Oui, voilà, Beneteau, j'avais répondu à ta question. Rafik, tu nous disais, j'avoue aussi, grâce à toi, j'ai réussi à augmenter mon capital de 390 euros à 1700 euros en 2 semaines. Bravo, bravo, Rafik, très très beau score. Attention, hein, pas trop de prise de risque, bien sûr, mais très très beau, très très belle performance, hein, clairement ici. Rafik qui nous disait, tu sais, la méthode de chercher de 20 à 40 pips, ça marche, ça marche. Bah écoute, bravo pour ton score, ça fait très très plaisir et un super retour aussi. Interactive qui nous est sur le DAX, j'ai une zone de prix vers les 14 377 plus middle S1, ça sera ma zone d'achat, 14 377. Tac tac tac, alors ouais, on va descendre un petit peu. Alors on a les 400 ici, 377 encore un petit peu plus en dessous. Moi je t'avoue que pour les... Ça dépend des horizons de temps qu'on cherche, mais on a de quoi récupérer. On aurait de quoi même casser les 400 en fait. Donc ouais, 377, pourquoi pas? Pourquoi pas? Après, attention aux 60 aussi. Attention au niveau des 60 aussi. Pour l'instant, c'est sûr que ça veut pousser à la baisse. On a un gold qui ne sait pas vraiment ce qu'il veut faire puisqu'il reste limité avec les 1810 pour l'instant. Donc voilà, très joli scénario sinon sur l'euro-dollar. Dommage hein, pour le GBPUSD, peu de choses pour la hausse aussi. Et je vais vous remettre le FTSE 100, on va voir où il en est puisque ce FTSE 100 il a quand même bien baissé, il est en train même de casser sa borne basse, ce FTSE 100. Ah, il continue de baisser, il peut récupérer, hein, il peut continuer encore de récupérer ici.
Donc voilà, j'espère aussi que ces exemples un peu plus fréquents sur le marché Forex vous plaisent. Je sais qu'à un moment donné, quand je faisais uniquement du DAX, du FTSE, voire du CAC, on me disait souvent, et pourquoi pas le Forex un petit peu. Alors je faisais de temps en temps le GBPUSD, et j'aime toujours hein, faire du GBPUSD de temps en temps, mais je sais que vous aimez aussi beaucoup le trading sur l'euro-dollar. Donc ici, j'ai essayé de vous faire un peu plus d'exemples. Et là, ce matin, il y avait une belle opportunité, comme un peu celle d'hier sur le gold, où j'ai fait un plus gros focus sur le gold. Là, j'ai fait un plus gros focus sur l'euro-dollar pour le coup, parce que l'opportunité était plutôt sympathique aussi. Matt Dollar qui me disait du coup, c'est pas vrai, il regarde la demi ce soir. Excellent, Matt Dollar. Excellent. Ici, il y en a qui disaient, voilà, exact, Matt Dollar, moi aussi devant l'écran. Oui, j'imagine, j'imagine. Joe qui nous disait aussi, Joe B, donc qui nous disait, voilà comment tu fais apparaître cette case. Donc voilà, c'est la touche nouvel ordre. Voilà, hop, nouvel ordre ici. Première façon de faire, hein, clairement, nouvel ordre, tu fais apparaître du coup cette fenêtre où tu mets tes informations. Sinon, dans l'observation de marché avec la flèche haute et basse, tu sais ici vert et rouge, tu double-cliques sur l'actif et tu as la fenêtre qui apparaît aussi. Donc c'est à l'un ou l'autre. C'est vrai que quand tu fais directement nouvel ordre, tu vérifies que tu sois sur l'actif que tu veux, hein, parce que tu peux être sur l'euro-dollar alors que tu veux trader de l'axe, tu vois. Donc tu fais attention juste à ça. Robert qui nous dit du coup bonjour, comment faites-vous une vente partielle? Alors, on a répondu à la question, dis-moi si c'était clair pour toi du coup. Oui, c'est vrai, je suis revenu un petit peu trop haut. Par contre, comment tu fais apparaître les étiquettes de prix d'exécution? Ça, c'est la touche HST du mini terminal. Regarde, hop ici, touche HST du mini terminal. En fait, c'est tout simplement les historic trades qui sont pris ici. Tu peux faire aussi clic droit si tu n'as pas le mini terminal et tu fais historique de trading ici. Et tu vois les prises de position réalisées. C'est juste que tu n'as pas les étiquettes. C'est une version par défaut que tu as sur MT5, historique de trading, et comme ça tu vois tes prix, ou sinon les étiquettes carrément pour avoir les niveaux de prix précis, c'est la touche HST du mini terminal. Cyril qui nous dit bonjour, bonjour, bienvenue à toi Cyril aussi. John qui nous dit bonjour à tous, un point sur GBPJPY, bienvenue à toi John aussi. Alors on va regarder ça. GBPJPY, est-ce que j'ai une paire ici à remplacer? Ouais. Alors on va repartir sur les unités de temps un peu plus grand. Hop. Alors ici, GBPJPY, l'air de rien. Vous m'entendez tellement le dire, mais ça range, hein. Ça range, on va aller voir ça sur du H4. Et ça respecte plutôt bien les bornes hautes et les bornes basses ici et là. Une borne haute qui va tourner autour des 105, des 105, des 165, excusez-moi. Une borne haute autour des 169 en fait. Voilà. Gros trading de range du coup en H4. Traduit aussi le graphique bien sûr daily. Et quand tu regardes le graphique horaire, tu peux rajouter les points, les hauts, les points bas, etc. On peut rajouter aussi si tu veux la touche PVT, tu es en dessous du point pivot du jour, au-dessus de la zone support S1. Tu es limité entre aussi sommet et creux. Bon, t'as qu'un sommet par contre. Donc ici direct que tu es en range, c'est un peu trop tôt pour le dire. Mais si tu as un rejet, attention à du trading de range qui continuerait comme ça. Voilà le. Ce que je peux te dire sur GBPJPY, on avait aussi HMAP qui nous disait salut Island Reversal sur le Nasdaq en D1. Alors le Nasdaq, tu nous parlais du N-Gaz, pardon. Le gaz ici, hop, on est là. Et tu nous parlais du coup du graphique journalier. Alors on est sur le graphique journalier. Je t'avoue que le Island Reversal comme ça ne me parle pas particulièrement. Ce que je peux te dire par contre, et c'est ce qu'on voit depuis qu'on avait parlé de cela il y a plusieurs séances hein, sur le N-Gaz, c'est du gros trading de range. Hein. Tout simplement une borne basse qui est bien respectée sur les 5,50 pour une borne haute respectée sur les 9,50. On a trouvé du rebond justement récemment après un test, deux tests, trois tests. Le quatrième test porte ses fruits. On a même eu, justement, on en parlait lors d'une séance récemment, le gap ici qu'il y a eu, qui était même plus important puisque au départ, voilà, on a vu ce gap-là directement. Il a été récupéré. Alors, on a l'impression dans un peu plus de 50%. Ensuite, on a été incapable de vraiment s'affranchir de son sommet précédent. On revient sur le creux aussi. Donc, si là encore tu as du rebond, eh bien c'est encore du trading range. Sinon, c'est la récupération avec le comblement de gap déjà ici attendu. Pourquoi pas? Alors, ce que je peux te dire sur le N-Gaz aussi,
On commence à avoir des réactions un petit peu ici sur le DAX, mais je pense que ce qui serait intéressant à faire sur le DAX, si le rebond du coup se présente, ce sera peut-être un petit peu après notre séance malheureusement. Toujours du rebond hein, sur ou du retest, je devrais dire, de la résistance et burnout sur GBPUSD des 1,2375. Arnaud qui nous dit aussi, oui, Jérémy, le tuto sur l'Ishimoku. Du coup, tuto sur l'Ishimoku. Qu'est-ce qu'il y a par rapport du coup au tuto sur Ishimoku, Arnaud? Attends, je remonte voir si j'ai oublié une de tes questions. Ah oui, donc oui, pardon, donc tu disais que tu avais regardé voilà, le tuto sur Ishimoku. Je pense qu'Ishimoku, je vous referai une vidéo courant 2023. Dites-moi si c'est un sujet qui vous intéresse vraiment. Gameboy qui nous disait, bonjour Jérémy, pourrais-tu nous montrer le Brent? Pas de souci, le Brent il est ici. Et le Brent, il est en tentative de sortie de sa zone de range pour l'instant établie autour des 80-90. On a déjà une sortie réintégration et là on retente le dernier sommet. Donc c'est ici que ça va se décider pour un maintien de la zone ou justement un break et une poursuite sur les 80-50. Ça c'est sur le 15 minutes. Le contexte horaire, c'est une belle hausse hein, tout simplement. Avec pullback, respiration sur une ancienne résistance qui passe support, on parle des 80-50 et on essaye au fur et à mesure tu vois, de repartir possiblement sur la prochaine résistance avec le sommet à tester des 80-50. Mais si on n'y arrive pas, justement, c'est d'abord ce petit range là avant de soit breaker, soit d'avoir de la respiration. Mais on peut avoir des fausses cassures puisqu'on a du point pivot en dessous et on a toujours des pièges de marché qui sont possibles et probables. Bah, je crois que j'ai récupéré les messages par le haut. On va continuer ici. Beneteau qui nous disait Ekanashi. Alors, ça s'écrit du coup. Il y a deux manières d'écrire Ekanashi. Mais je vais te partager si tu veux l'article. Voilà, c'est l'article ici, Ekanashi, que j'avais fait il y a bien longtemps. Hop. Je vais vous le partager dans le chat ici. Emmanuel, tu nous as déjà mis par rapport à ma question, voilà, l'importance du trading dans l'économie. Oui, alors, bah, c'est très important parce que si tu veux, trading slash investissement, hein, c'est très important dans l'économie aussi parce que ça va te permettre, si tu veux, du coup, de soutenir certaines entreprises. Donc là, on parlera d'ailleurs un peu plus du marché de l'action, hein, vraiment des entreprises, etc. Quand tu as des investisseurs c'est le cas de le dire, qui investissent dans ta société, eh bien, tu as du coup tu as du cash, hein, tu as de quoi justement bah, acheter plus de matériel, agrandir peut-être, si tu, je sais pas si tu es dans la construction et la conception de certains produits, etc. Il te faut de la main-d'œuvre, il te faut aussi du coup pouvoir acheter des matières premières, peut-être acheter de meilleure qualité, peut-être acheter des nouveaux locaux ou louer des nouveaux locaux, etc. etc. Donc ça, si tu veux, ne serait-ce que cette partie déjà, c'est pour moi la base, hein, clairement, et c'est ce qui est très simple aussi à comprendre, c'est que du coup, le principe même d'investir, donc d'acheter une action, si tu achètes par exemple l'action Apple ou l'action, peu importe, n'importe quelle action, tu investis dans cette action-là, ce qui va permettre, si tu veux, à l'entreprise aussi, et c'est aussi pour ça que tu as le principe des dividendes, hein, selon certaines entreprises et la valeur aussi des dividendes de certaines entreprises, le principe de ces dividendes, au passage, c'est que l'entreprise te rémunère pour, du coup, l'investissement que tu fais dans cette société, pour cette confiance que tu apportes à la société, etc. etc. Donc, tu as, si tu veux, ce rôle qui est important. Pour faire bénéficier en fait aux entreprises aussi eh bien d'un push on va dire hein, d'un soutien et leur permettre en fait aussi bah, d'investir et d'aller plus loin de développer des choses des services de meilleure qualité etc 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 donc ensuite on a un principe aussi de liquidité qui se fait clairement sur les marchés du coup ça c'est déjà plus le jeu entre les acteurs de marché puisque le trading c'est un gagnant pour un perdant donc quand tu as quelqu'un qui gagne tu as quelqu'un qui perd. Ça, c'est l'image de base, hein, mais bien sûr, par exemple, si tu as un gros portefeuille, tu prends une grosse position, tu perds ta grosse position, bah, c'est plein de petits qui vont gagner, par exemple, tu vois, ça peut se diviser aussi comme ça. Mais du coup, dans ce rôle du trading dans l'économie, c'est que ça, si tu veux, ça aide à porter aussi, bien sûr, les sociétés et à leur donner de quoi aller de l'avant. Bien sûr, attention, quand on parle aussi trading, on parle aussi de vente à découvert. Donc, la spéculation à la baisse sur les actions, là, pour le coup, c'est moins bien perçu, clairement. Après, tu peux passer par des produits dérivés également. Donc, c'est encore d'autres choses. Parce que, par exemple, quand on parle du marché actions, c'est des actions en comptant, etc. etc. Tu as des actions CFD qui te permettent de spéculer à la baisse.
sur du coup une action aussi. D'ailleurs, tu peux te couvrir comme ça pendant que tu investis long terme sur une action. Tu vas avoir du coup ce principe de respiration ou à un moment donné où tu as une crise, justement, le cours baisse, etc. etc. Si tu es du coup dans un bon timing avec ton analyse, tu peux aller prendre des ventes à découvert sur du CFD pour gagner à la baisse, tandis que ton investissement long terme, lui, est en respiration, on va dire, et sur une. Des pertes latentes, on va dire, peut-être, du coup, et tu peux te récupérer de l'autre côté. Donc ça, c'est différentes choses et des stratégies que... D'ailleurs, on parlera de certaines de ces stratégies hein, lors de notre rendez-vous, justement. Je vais vous repartager le lien parce que c'est très important. C'est dès demain, ici, ce webinaire ouvert à tous les clients sur Contrée chez Admirals. Hop. On parlera de ce genre de choses aussi ici pour bien et le mieux possible se préparer à 2023. Mais si tu veux, le trading et l'investissement jouent son rôle dans l'économie. Et du coup, dans l'impact aussi sur les prix. Bien évidemment, les décisions des acteurs de marché aussi fluctuent et impactent le prix. Alors même s'ils se basent sur tout simplement des faits fondamentaux, bien évidemment, on a le contexte, on a quand on parle par exemple pétrole, on va aussi avoir tout ce qui est stock de pétrole, s'il y a des raffineries qui ferment, s'il y a des grèves ou quoi, ça impacte aussi le cours, etc. Et ça se retrouve tout simplement aussi, du coup pour nous, hein, au prix tout simplement à la pompe, pour l'essence, etc. Donc l'investissement aussi, si tu veux, si tous ces investisseurs, par exemple, par rapport au pétrole, son sujet soit être très bullish ou très bearish, c'est-à-dire très acheteur ou très vendeur, ça va impacter aussi tout simplement le prix ça touchera aussi à l'économie. Donc voilà les petites relations ici. Je te réponds assez rapidement aussi et un peu en bloc parce qu'on a beaucoup de choses à voir encore. Je vois qu'il y a pas mal de questions sur le chat. Et du coup, par contre, en termes d'opportunités, je pense que j'aurai pas de nouvelles opportunités. Vous voyez que le gold ne va nulle part. Le DAX peine à rebondir, il y aura peut-être des choses mais pas tout de suite et le GBPVZ a fait son scénario jusqu'à sa borne haute pour l'instant, donc voilà. Je remonte un petit peu, justement on avait d'autres questions. Dis-moi si c'est déjà plus clair pour toi Emmanuel, c'est un gros dossier clairement, on pourrait en parler pendant longtemps. Didier qui nous disait trop de faux rebonds sur le DAX ce matin, 3SL touché, je stoppe en négatif, c'est mieux pour le moment. Ça marche Didier, ça marche, c'est vrai qu'il a du mal à rebondir clairement, c'est pour ça que tu m'as pas vu réessayer depuis tout à l'heure justement, parce que ça a du mal et je pense que s'il y a quelque chose qui peut se faire en termes de rebond, il faut attendre encore en fait. Yann qui nous disait bonjour, j'arrive en retard et je like. Merci beaucoup Yann, ça fait plaisir. Tu nous dis un point NZDJPY si possible, merci, à plus. Pas de souci NZDJPY, on va regarder ça rapidement. Je vais le mettre par rapport à ce graphique là. Hop, NZDJPY. Donc, hop, ici, on est sur de la cassure pour l'instant souhaitée de toute cette zone de résistance, mais c'est une cassure relativement timide puisqu'on est en train déjà de réintégrer. Alors, le niveau les plus récents, ça va être ces deux sommets, clairement, qui font résistance. On va voir si on peut faire support, parce que quand on va descendre sur des graphiques plus petits, on va peut-être passer sur l'intermédiaire pour vous montrer ça. Voilà, ça va donner ça. Ça va donner ce trading de range là aussi sur lequel justement on travaille. On est en train de travailler pour de la réintégration possible. On va regarder les niveaux que ça donne, tiens. On parle des 85-15 pour les 87-15. Et du coup, on a ce niveau-là vraiment testé en support pour le moment. Ancienne résistance ici aussi, puis bien sûr, beaucoup plus par là aussi. Du coup, niveau en fait déterminant, les 87-15 pour ma part à l'heure actuelle. Tu as une zone support S1 en plein dessus, tu casses un petit peu les derniers creux, donc tu es dans une zone un peu intermédiaire. Ouais, assez intéressant ici. Alors là, c'est du point de vue H4. Tu descends sur le graphique. Ouais, t'as la même chose un peu dans le détail. Donc, très très belle zone pour voir soit du rebond, soit de la réintégration. Test de zone support déterminant et 87,5. Hein, tu l'auras compris sur le NZDJPY. N'oublie pas, Yann aussi, si tu viens d'arriver, on a le webinaire du coup de demain soir. Très important. J'ai partagé le lien sur le chat. Boursicoteur qui disait à Didier, peut-être que ton SL est trop court, diminue la taille de position, augmente la taille du SL sans risque de perdre plus. En plus, pas bête hein, ici Boursicoteur, puisque vous pouvez trader chez Admirals avec les comptes trade MT5 et 0 MT5 du coup à 1 centime seulement le point sur le DAX. Donc on peut vraiment se permettre de se dire, voilà, si je veux 50 points de stop mais pas risquer pour autant 50 €, c'est possible. Donc ça c'est... c'est important pour Boursicoteur, du coup, bien dit ici. Didier qui nous dit, oui, je sais, ma stratégie est de rentrer au meilleur prix en mettant un SL serré, en scalping, je serai en gain. J'essaye de me concentrer sur des trades avec plus de points. Ça marche, Didier, ça marche. Alors, c'est ça aussi, hein, quand tu essayes d'aller chercher plus de points aussi, ça joue forcément aussi possiblement sur ta taille de stop.
Après, ça dépend si tu fais des partiels aussi, tu sécurises, tu vois, par exemple, comme j'ai fait l'exemple ici tout à l'heure. Goupil qui nous dit salut, bienvenue à toi, Goupil. Khalil qui nous dit aussi bonjour et bon trade à tous. Est-ce que ça vaut la peine de trader la semaine prochaine ou la semaine, dernière semaine de décembre? Quel marché pourrait être intéressant? Merci pour tout. Bienvenue à toi, Khalil. J'espère que tu vas bien. Alors, justement, la semaine prochaine et la semaine d'après, on ne sera pas live parce que bah, ce n'est pas des semaines forcément ultra intéressantes. Il peut se passer des mouvements, certes, mais il y aura aussi moins de participants sur les marchés, ce qui veut dire aussi, du coup, potentiellement moins de liquidités. Donc, faites bien attention aussi à ça. Et les marchés qui pourraient être intéressants, ça reste les marchés les plus volatiles habituellement. Donc, on va parler des paires Forex majeures, par exemple. Alors, les plus volatiles, hein, on va être bien sûr sur des paires Forex exotiques également. Tout dépend si tu fais du day trading, scalping ou si tu fais du swing trading. Mais du coup, en termes d'actifs les plus intéressants, les grands classiques seront au rendez-vous pour ma part. Mais typiquement, voilà, ces 2 dernières semaines de fin d'année, personnellement, moi-même, ce n'est pas des semaines que je vais trader. Parce que bah, déjà fin d'année, il faut prendre bien sûr un peu le temps aussi pour faire le bilan, pour se préparer l'année prochaine, pour prendre un peu de temps pour soi aussi et profiter des fêtes de fin d'année en famille. C'est très important parce qu'ensuite, 1er janvier, alors cette année, je crois que ça tombe en plus, oui, c'est ça, 1er janvier, ce sera le lundi. Non, ce sera le 2, pardon, oui, le 2, du coup, le 2 janvier, du coup, ça attaque directement. Donc, faut être en forme aussi. Boursicoteur qui nous disait ok serré, mais si tu es touché, soit tu es mal rentré alors ou tu es trop court par rapport à la volatilité. Raphaël qui disait Jérémy, pourrais-tu nous donner le lien du mini terminal? Pas de souci, je vous donne le lien ici de l'édition suprême qui vous permettra du coup de télécharger mini terminal. Donc quand vous arrivez sur admiralmarkets.com/fr, ici vous allez dans plateforme MetaTrader édition suprême, que vous soyez sur MT5 ou MT4, vous cliquez dessus, ça se télécharge et ça s'installe tout seul. Et ensuite, quand vous allez ouvrir la plateforme, vous allez avoir ici dans la partie indicative tous ces indicateurs Admirals et tous ces experts consultants Admirals ici. Et là, du coup, ben, vous avez tout simplement le mini terminal que vous glissez et vous pouvez retrouver toutes ces fonctionnalités ici. Mais j'ai pas partagé le lien. Excusez-moi, je suis un peu fatigué sur la fin de séance. Pédition suprême, je vous partage le lien tout de suite dans le chat. Excusez-moi. Ok, voilà, c'est fait. Boursicoteur qui disait à Raphaël, du coup, sur le site Admiral Plateforme Édition Suprême. Parfait, merci beaucoup, Boursicoteur. MBVK, tu me disais, tu recommandes MT5 parce que j'ai MT4 qui bug de temps en temps. Alors, ça dépend que si tu as téléchargé des trucs en particulier sur MT4. Moi, personnellement, je vais faire ma mise à jour et je la fais, hein, cette migration et mise à jour de mon système sur MT5 pour pas mal de raisons. Donc, désormais, je traderai du coup les CFD chez Admiral sur MT5 uniquement. Et j'aurai le système LTR Renko hybride sur une autre plateforme pour trader les mini futurs et micro futur. Didier qui disait pour Boursicoteur, c'est ça, c'est du coup la formation en démo pour apprendre à rentrer au meilleur prix. Ok, ça marche, Didier, parfait. Du coup, si tu es dans ce process là, du coup, ça se tient. Raphaël qui disait Boursicoteur, merci beaucoup. Boursicoteur qui disait MBVK, MT4 n'est plus suivi par MetaQuote, c'est mis à jour. MT5 est plus intuitif à mon avis. Yes, c'est vrai. Alors, c'est juste que jusqu'à justement que MetaQuote ne fasse plus le suivi de MT4. Ça restait quand même la solution pour ceux qui ont des ordinateurs moins performants. Ça restait une solution intéressante parce que vous aviez, si vous voulez, moins de capacités nécessaires ou requises, hein, je devrais dire, de par la plateforme vis-à-vis du coup de votre ordinateur. Mais du coup, oui, la suite, c'est MT5. Hein, du coup, clairement, ici, MBVGAS qui dit merci pour Psychoteur. Thibaut qui nous dit merci pour la séance. Bonne journée avec un soleil. Merci beaucoup, Thibaut. Soleil qui vient de sortir ici, juste au-dessus des montagnes en Andorre. Ça fait plaisir aussi. Avoir MBVGAS qui nous dit oui, du coup, pour le tuto Ishimoku. Ok, parfait. MBVGAS. Françoise qui nous dit oui pour Ishimoku. Ok, ça marche aussi, Françoise. Goupil qui nous dit approfondir Ishimoku, surtout côté scalping. Ça m'intéresserait vachement. Ok, bah écoute, c'est noté. C'est noté. Matt Dollar qui nous disait. Je suis dans le DAX depuis 9h42, je sors 80% et je me mets break even et laisse courir pour le reste. Donc tu es à la vente ici, clairement, bravo. C'est une bonne idée de sécuriser puisqu'on est sur une borne basse ici, support qui marque quand même beaucoup de travaux entre les 14 425 et 14 430 ici. S'il y a du rebond, moi je préférais d'ailleurs le rebond ici, mais pour autant il faut bien sûr qu'il se manifeste, on va dire. Pour l'instant, il n'y a pas vraiment de choses qui permettent de manifester un joli. Alors je viens de regarder. Depuis tout à l'heure, on est sur le chat, mais si, dommage, dommage, dommage. Je l'ai pas vu arriver ici. Il y avait de quoi mettre
un stop de 12, il y avait un 12 points déjà de fait avec du coup sécurisé derrière. Et le reste, c'est la même chose. Hein. Le reste, c'est la même chose. C'est du prix médian pour du coup la borne haute. Alors, si on veut être un peu plus safe, on a ces sommets avec le point pivot et les 14 475. Mais le rebond ici s'est fait sentir et j'étais pas dessus. On était en train de papoter sur le chat. Bon, c'est des choses qui arrivent ici. Puis en plus, on est sur notre fin de séance. On était tellement en train de papoter qu'il est 10h03. Je dois vous faire très rapidement ici, mais on est à 130 likes et ça fait ultra plaisir. Merci à tout le monde. Tu vois, Interactive, on les a fait les fameux 130 likes. Je vous refais le point ici. Alors, on était tellement dans la discussion que j'ai pas vu le temps passer. Et l'opportunité du petit rebond ici se faire, ça serait déjà en sécurisation. Enfin, ça serait sécurisé, on va plutôt dire ça comme ça. Petit point pour le restant de votre journée. Qu'est-ce qui se passe du coup sur le DAX? C'est un rejet borne haute pour un test de borne basse où on commence à avoir un petit peu de rebond. Mais ça ne veut pas dire, bien sûr, qu'on a une garantie de retour sur la borne haute. Donc attention à ça. C'est juste que ce niveau 14 430 est ultra déterminant pour le restant de la journée, pour du rebond ou pour de la respiration, tout simplement. Du côté du CAC 40, pareil, borne basse très très importante ici. C'est une borne basse, un petit range hein, sur le graphique horaire, mais c'est du coup celle des 6710 points. Soit pour continuer trading range, soit pour respirer, attention, fausse cassure avec 6700, ou sinon on réintègre du coup les ranges, en tout cas le range précédent dont on avait parlé ici. Du côté de la bourse de Londres, on travaille activement désormais cette borne basse avec une belle mèche pour l'instant et un maintien du support 7467. Donc pareil, déterminant pour aujourd'hui, soit pour du maintien, soit pour réintégrer les ranges précédents ici. Du côté du S&P, on est en réintégration pour l'instant. Donc les 4025 passent résistants jusqu'à preuve du contraire. On évolue toujours dans son range en termes de négociation sur le Nasdaq entre les 11883 et les 11775. Du côté du Dow Jones 30, pareil, petite réintégration sous les 34150. Donc trading de range jusqu'à preuve du contraire, sauf si on arrive à ressortir ici par le haut. Du côté du gold, c'est toujours le test de cette borne basse, mais toujours pas de nouvelles opportunités intéressantes pour jouer le rebond. Donc déterminant cette borne basse ici, une fois de plus, on parle des 1707,50. Du côté du pétrole, on est sur une tentative sortie timide puisqu'on a des mèches pour l'instant, mais du coup on a une borne déterminante, je vous le disais, sur les 80-90. Côté euro-dollar, on a eu un très joli rebond, donc j'ai attrapé le point bas de la zone de range pour sécuriser. Pour ici prendre le prix médian et la borne haute, tout s'est passé ici comme prévu. Ça a pris un petit peu plus de temps, faut le dire, sur le TP final, mais ça l'a fait. Et le graphique horaire, lui, nous montre du coup qu'on réagit en fait sur la borne basse pour tenter un retour résistance déjà des 1,0650 voire sommet. Si on échoue ici, attention à la réaction, fausse cassure et intégration du range. Du côté du GBP/USD, c'était aussi très joli cette hausse ici pour chercher la borne haute, mais on est toujours dans le trading de range. Tentative de cassure, oui, mais sur l'essai de la résistance des 1,2375 déterminant pour le restant de la journée. Et sinon, tout simplement sur du Bitcoin aussi, attention dans sa zone avec le point pivot mensuel et les 17 650, zone obstacle plutôt qu'autre chose pour l'instant. J'espère que la matinée s'est bien passée pour tout le monde. On a bien papoté ici et du coup on a un peu dépassé du coup sur l'horaire, mais c'est pas grave, c'est les dernières séances qu'on fait ensemble en courant de cette année, donc on en profite un petit peu aussi. J'espère que ça vous plaît. En tout cas, je vois pas mal de likes et ça me fait très très plaisir. Je vais finir avec les derniers messages et on va se quitter là pour aujourd'hui. N'oubliez pas que aussi on a bien évidemment le webinaire de demain soir qui nous attend. J'en parle, mais c'est l'événement annuel, donc le restant de l'année, j'en parlerai pas clairement. Là, c'est très très important. N'hésitez pas. Vous avez aussi du coup sur la chaîne YouTube le replay du webinaire précédent qui fait vraiment office d'introduction au webinaire de demain soir. On a l'action aussi Téléperformance qui est sortie dans un article chez Admiraz. Vous pouvez le retrouver sur le site internet également. Et sinon, voilà. Je vais finir avec les petits commentaires qui restent à lire ici sur le chat. J'espère que la matinée donc s'est bien passée pour tout le monde avec 130. Je vais y arriver avec 134 likes. C'est aussi parfait pour moi. Merci à tout le monde. Matt Dollar qui nous disait voilà pour la baisse, donc c'est top. Mais il y a un petit peu de rebond du coup à l'heure actuelle. Attention. Le motivateur du coup qui nous disait salut, j'attends faiblement. J'entends faiblement. Tu voulais peut-être dire ici. Alors regarde de ton côté, le son est bon normalement de notre côté ici. J'ai pas eu de soucis depuis ce matin. Infini en un qui nous disait je suis sur le XAGUSD. Un conseil du coup sur du côté Silver. Hop. Brièvement. Tendance haussière journalière. Graphique ici horaire qui te montre le retour sur la zone support ici. Ça tient pour l'instant. On a cassé de cette petite zone, mais on l'a réintégrée. Donc en fait, ici, tu vois, tu es dans un petit trading de range en attendant de pouvoir ressortir, faire le sommet et le sommet suivant, ou sinon de retravailler comme la mèche ici pour plus de rebonds par là ou réintégrer
juste par là. Donc en fait, niveau déterminant, pour te résumer le tout, les 23,50. Clairement, les 23,50, même si la borne basse ici plus sur les 23,60, mais il faut te donner une idée ici, 23,50 qui peut marquer encore du rebond. Tu vois ce que je veux dire ici? Voilà, parfait, ici on va s'arrêter là-dessus. Interactive qui nous est du coup vite, il manque des pouces bleus pour Jérémy. Merci, un grand merci à toi Interactive, clairement pour le soutien. On a même dépassé les 130, tu vois, 135, ça fait extrêmement plaisir. On avait aussi pop-up ici, Raphaël qui nous disait merci Jérémy pour le lien. Avec grand plaisir Raphaël, avec grand plaisir Emmanuel qui nous disait merci Jérémy, c'est important ce que je retiens. Gros dossier à comprendre. Oui, clairement, clairement. Alors à comprendre pour ton trading. Pas forcément, mais si, pour ta culture générale, oui, si tu veux, tout à fait. Madolar qui nous est sorti, BE, ça marche, Madolar, en tout cas, bien vu pour la baisse. Didier qui nous dit, du coup, merci pour Jérémy, 126 likes, c'est top. Merci beaucoup, Didier, ça fait vraiment plaisir aussi. ST qui nous dit, quelle différence entre le 0 et le web. Alors, 0 MT5, ça, c'est un compte. Le web MT5, c'est une plateforme en ligne de MetaTrader 5. Donc, tu as MetaTrader 5 et MetaTrader 4 qui sont des plateformes que tu dois installer sur ton ordinateur, hein, qui sont des logiciels vraiment à installer. Et le web trader qui va être le web MT5 aussi désormais, c'est une version page web en fait de la plateforme que tu peux utiliser sans avoir rien à installer. Pour Cicoteur qui disait bonne journée à tous, bienvenue à toi. Tu vois, je suis vraiment fatigué moi. Très très bonne journée bien sûr à toi, pour Cicoteur aussi. Matt Dollar qui disait oui, j'étais à l'achat. Ah, t'étais à l'achat du coup, ok. Je crois que t'étais à la vente depuis ce matin. Je vais y arriver. Emmanuel, voilà, qui nous est Jérémy, tu as un conseil des trading pour ne pas passer la journée devant les graphiques. Alors, on en parle si tu veux avec plaisir dès demain. Mais juste un petit conseil par rapport à ça, donne-toi des heures de trading, tout simplement. Respecte des heures de trading. Daniel qui nous est merci Jérémy pour ton live. Bonne journée avec grand plaisir, Daniel. Françoise aussi, merci beaucoup. Super content de savoir que tu es inscrit sur le webinaire de demain. Ça fait plaisir de savoir qu'on va s'y retrouver en fait. Hein. Olivier qui nous est merci beaucoup. Jérémy, à demain, à toi aussi Olivier. Bonne journée bien sûr et merci également. Raphaël qui nous dit bonne journée à tous, merci Jérémy, à toi aussi Raphaël, merci beaucoup. Et on a aussi Didier qui nous dit demain matin un bon match ce soir. Allez les bleus, ça marche Didier. Très bonne journée aussi à toi du coup, bon match bien sûr à tout le monde. MBVGAS qui nous dit bonne journée à tous, merci à toi aussi Françoise également. Séance conviviale, top, merci Jérémy, excellente journée à tous avec du soleil, merci beaucoup. Ouais, très très convivial, très intéressant, toujours dans la bonne humeur. Ça a été le cas depuis très longtemps sur cette chaîne YouTube, quasiment le début je pense de mémoire clairement. Et du coup, j'espère bien que ça continuera bien longtemps comme ça encore. JDL qui nous dit merci Jérémy, bonne journée à toi aussi. Interactive qui nous est cool. Oui, c'est clair, ça fait plaisir. Infini en a qui nous disait du coup 23 050, top, merci. Tac, 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 23 050. Tac, 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 pour le Silver. Oui, 23 050. Je sais plus quel niveau je t'ai donné. Mais du coup, tu peux le regarder dans le replay. Il faut vraiment que je fiche. Je suis en retard ici. Excusez-moi. Un deck qui nous disait aussi. Merci beaucoup pour la séance. Je vais commencer la formation. Ça marche pas de souci. D'aide et Matt Dollar qui nous est top comme dame. Merci. Ciao. Merci beaucoup, Matt Dollar. Merci à tout le monde. Merci surtout aussi aux 137 qui ont liké. Ça fait ultra plaisir. Je vais vous retrouver avec grand plaisir dès demain matin, 8h30, 10h. N'oubliez pas demain deux rendez-vous le matin, le soir, dont le rendez-vous, bien sûr, annuel. Ce sera l'avant-dernier live matinals également demain matin. Donc j'espère qu'on sera nombreux, bien sûr, et qu'on aura de quoi échanger encore et encore en trading. Très bonne journée à tout le monde, excellent trading à demain matin 8h30, 10h.